Ah ah! My time to shine. D'abord, bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour. Vous avez été sage YouTube. Je crois pas, non. Calvin, il a pas été sage. Ah, d'ailleurs, j'ai regardé la rediff de du dernier de la dernière session. Il y a eu de la triche. Bah, je triche pas. Mais je vais pouvoir régler ça dans les prochains combats. De toute façon, en plus, ça sera beaucoup mieux ainsi. Hey. Je triche pas, j'anticipe. De quoi? Bah, en fait, quand tu déplaces ton perso sans... Qui a mis une moustache? Oh putain de merde. Je sais même pas comment le faire. Ça va faire 20 minutes, presque 30 minutes qu'elle est là. C'est Lucky. Quand tu déplaces non, ton c'est pas perso, moi. Mais sans relâcher le truc, tu peux voir autour... Et du coup, bah, j'ai placé ce coup-là de 12 mètres pour voir. Donc la prochaine fois, je mettrai l'option de vous ne verrez pas au déplacement, vous verrez qu'une fois après avoir une fois avoir lâché vos pions. Je l'ai jamais fait, gaffe. Bah, en vrai, je l'ai fait deux fois depuis Last Winter. C'était la deuxième fois, là. Et jamais. Après, je t'en veux pas non plus. Je vous avoue qu'à la des fin, aveux à la en fin direct. Non, mais à la fin du combat, j'en avais ras le cul, donc ça m'a saoulé. C'est des aveux en direct. Bah oui, écoute. Coupable. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire, me bannir? Vous ferez trop chier sans moi. C'est pas faux. Voilà. Puis je suis. T'as pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris, Ren? Chier? Bon, or, c'est quand tu vas aux toilettes. Non. Du coup, résumé. Ce que j'ai pas compris, c'est bannir, mais je peux peut-être essayer sinon. Vas-y. Hop. Je vais pas faire ça sur Gal. Ah. Non, on a qu'à faire ça sur RD. Ah ouais, bonne idée. Si, allez hop là. Pour qu'il se met masque, il se fait ghost van. Le pauvre. Il se fait pourquoi j'ai été banni? Alors, du coup. Bon, j'ai testé la commande. La session précédente. Dans l'épisode précédent. Dans l'épisode On est parti de marcher en direction de Gravel Town parce qu'il fallait récupérer une armure avec le but d'aller après à Canterlot. Sur le chemin, on a retrouvé une connaissance, Jade, qui faisait la morte à côté d'un chariot renversé avec de la sauce tomate étalée dessous pour attirer des gens. On a failli se faire attaquer par sa bande de bandits. Elle leur a dit « Oh non, 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 ils sont gentils, c'est des copains. » Donc on s'est pas fait attaquer. On a essayé de les convaincre d'attaquer les Double Horn. Ils ont dit non. Mais peut-être. Du coup, on sait pas trop. Du coup, il y a... Bah, c'est surtout qu'ils savent pas où ils sont. Ils se font ramarrer par eux. Du coup, Jade et sa copine Garnet nous accompagnent jusqu'à Stalingrad. Pour boire Ember et Ulrich. Voilà. On leur a proposé d'arrêter d'être des bandits et de rejoindre une bonne cause. Voilà. Exactement. Voilà. De devenir mercenaires. Oui. Et du coup, on est passé à Gravelton, récupérer l'armure, on est arrivé à Canterlot. Puis bizarrement, en arrivant à Canterlot, on a vu des traces de chariots qui partaient dans la forêt. C'était suspect. Nous avons donc décidé d'y aller. Nous avons trouvé des bûchers, prêts à être allumés, mais avec personne dessus. Bon. Oh, mais t'as arrêté de faire des rimes. Et donc, du coup, nous nous sommes séparés en deux. Fizzle, Silver et Garnet d'un côté. Wood, Skula et Jade qui partaient voir les gardes. Ils sont partis voir les gardes. Nous, on s'est cachés. On s'est fait attaquer dans le noir par des espèces, par ces espèces d'enfoirés. Culé. Exactement. En pas fait. De libérateurs rouges. Petit fils de pute. Exactement. On les a combattus. On les a bien maravés. Hein, il y a eu un petit 41 qui est sorti. Magnifique d'ailleurs. On a assommé tout le monde. Il y a des gens qui sont tombés par terre, qui sont relevés d'un coup après un petit coup de soin. Magnifique soin de ce coup-là. Et on s'est rendu compte que parmi les libérateurs rouges, il y avait une garde.
Un. Problématique, hein. Ouais, non, c'est une meuf. C'était une meuf, t'es sûr? Je sais pas. Ah oui, pas oui. Il me semble que c'est... Il me semble que c'était un manlo. On t'a dit que c'était un mec, mais il ressemble trop à une meuf, donc c'est une meuf. Ok. Du coup, nous sommes partis... du coup, on a livré nos prisonniers à la garde. C'est un mal. Et... Laisse-moi mes genres. Et on a... Et on a tenté de prévenir la princesse Radiante Rose, qui pour l'instant est à l'ancien manoir d'Olga, en plein milieu du centre historique de Canterlot. Voilà. Et non, ça en fait, il va être à moitié libanais. Et maintenant, mais ça, s'est terminé sur... Sur une utilisation de penchant amoureux de la part de ce qu'on a sur le CSR. Ah, mais Loupi va finir par se monter un REM. Hein. Il y a déjà Onyx. Elle a eu deux fois la carte penchant amoureux. Peut-être une troisième. Bah ouais, bah c'est mon but final, hein, les gars. Le harem. Bah ouais. Ah, à votre avis, comment je vais convertir le monde entier à la loose de la muerte et Foken, hein. Faut donner de sa personne. Et du coup, la session s'était arrêtée après que nous ayons pris congé de la princesse Radiante Rose. Oui, on était... on arrivait à la taverne du zèbre chanteur, enchanteur. Du zèbre enchanteur, effectivement. C'est enchanteur, non? Ou c'est chanteur? Ouais, oui, enchanteur. Enchanteur. Le zèbre enchanteur. Le zèbre enchanteur. C'est ça. De qui il le sait, parce que c'est son précédent perso qui l'a fait construire. Il m'avait manqué. Pardon. Donc, Lisha. Les bébés. Et les bébés. Vous aussi, vous m'avez manqué. Mais un peu moins que les chats, quand même. Bah, on n'est pas des chats, c'est déjà difficile de face à ça. Donc, le jeu. Oui. Bah, nous vous écoutons. Bah, vous êtes à l'entrée du zèbre enchanteur. Je vous laisse vous déplacer. Bah, c'est difficile parce que moi je vois rien en fait. Comment ça, tu vois rien? Bah, moi je vois juste un truc noir. Je me suis posé, ça fait un truc noir. Je suis dans la pénombre aussi. Je vois en bas à droite quelqu'un qui fait. Attends, bougez pas. Moi je vois, hein. Touche pas à moi. Enfin, touche pas à mon pion, ça. Ah, ouais, j'ai mis une lanterne. Ah, elle est tellement belle. C'est parce qu'il faut une lanterne. Mais arrête de bouger, il a dit. Ah, attends. Sale gosse. C'est bizarre. Attends, il y a lumière. Moi je vois. Attends, on va faire un truc. Mais. Là. Ah, c'est mieux. C'est le chef. Mieux. Le chef des criminels, là. Ça. Là. Bah, vous êtes méchant. Je vais lui donner un peu de sous, moi. Merci, et... madame. De rien. Moi, je... Ah, pardon. De moi, rien. Je vais regarder dans mon porte-monnaie et je suis désolée, j'ai plus rien. Et je vais caresser un chien. Vous asseoir à côté de moi. Waf. Waf. Non, le chien, là, dans « Avez-vous déjà vu ?» Wouf. 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 Bon, elle du... Mais alors... Dringha. Dringha. Oh, mon Dieu. Bon. Il faut remplacer, parce qu'il fait un bruit bizarre. Hola. Bien le bonsoir, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. On va avancer, Fizel, au bout d'un moment. Oui, mais je l'ai... Ah, je l'ai su, hein. J'avance. Bonsoir. Oui, c'est vrai, il y a les deux poufs. Ben, on se met sur une grande table. Bonsoir. Oui. Madame, va falloir penser à retirer ce masque. Elle le retire. Vous pouvez le remettre. Ouais, on dit qu'il y a de la place. Voilà. Ouais. Ça va être compliqué. Bon bah. Jetstar est assis sur Fizzle. Witch. Aïe aïe aïe. Moi je m'assois à côté de mon chevalier servant. Quoi? Hein? Quoi? Je vais faire un clin d'œil un peu genre, je t'emmerde, hein.
Oh, Silver, toi, une touche. Mais tais-toi, ce coup-là. Mais ça suffit. Elle secoue les sourcils. Mais ça suffit, cette manie de vouloir me caser avec n'importe qui. Bah, c'est pas n'importe, n'importe qui, c'est Jade. Elle s'appelle Jade, Star. Jade. Bah oui, non mais... C'est pas très gentil, hein. Bonsoir. Hola. Bonsoir. Tout va bien. Vous voulez prendre quelque chose? Oui, très bien, et vous? Oui. Elle prendra les commandes, hein. je vous passe... Prendre en Jérusalem. Elle prendra en Jérusalem. Ah d'accord. Bah c'était pas au programme, ça. Mais la loose, partout, on a dit. Oui, mais pas de force. Seulement par la conviction. Puis elle... Puis voilà, bon, elle fera son petit bonhomme de chemin. Elle passera les commandes. Elle ira à la table d'à côté, pareil. Mmh. Double whisky. Ah. Ah d'accord. Il est vénère, lui. Il a l'air aveugle. Seulement d'un œil. Ah oui. MP Ruru. Mmh. Oui, j'ai vu. Okay. Et en plus de son double whisky, il demandera un banana split. Banana split. Cette chanson de l'enfer qui reste dans la ouais, tête. La ah comment ça de l'enfer, elle est trop bien. Non. Mais non. Si. Non. Mais si. Non. Bon, du coup, vous recevrez vos commandes, pareil pour la table d'à côté, puis les autres tables. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Silver mange sans faire sans prendre de temps. Bon alors c'est quoi la suite du programme, dira Jade. On doit faire quelques recherches ici puis après on va à Stalingrad. Mm. Ok. Il faut qu'on le mange pour la bouche pleine, on a dit. Pardon, il faut qu'on demande pour la petite de d'Ember et Ulrich aussi. Ouais. Quoi, ils ont un chien, eux? Ouais. Ah. Il a disparu. Elle a disparu, la pauvre. Pauvre petit hôte. On pourrait peut-être aussi aller interroger les méchants. Ça pourrait être une bonne idée, mais enfin, je sais pas ce qu'on pourrait faire de grand chose. Eh ben, on leur secoue le coco. Je sais pas, on leur met une carte devant le nez. Bon. On les fait parler et on les fait chanter. Je me suis entraîné sur un petit sort. Je pense que ça pourrait nous aider. Ah bon. Moi je sais pas, j'ai eu comme une illumination, j'ai vu une carte tomber du ciel dans mes salles. Il faudrait qu'il y ait le test. Quelqu'un est volontaire? Non. Ça dépend, c'est quoi comme ça? Tu dis non, tu sais même pas c'est pourquoi. Tu fais pas confiance à ce coup-là. C'est non avec un point d'interrogation parce qu'il s'inquiète. D'accord. Garnet te regarde, c'est quel genre de sort? Ça sera sur toi alors, Silver. Non. Mais si. Mais. Pourquoi moi? Bah parce que tu veux pas. Donc ça veut dire que tu vas résister et on va voir si ça va marcher. Mon avis dit oui. Donc, elle commence à faire briller sa corne. Et là, c'est un troll. Jeu d'arcane et c'est contre l'âme de Silver. Et là, c'est un troll et elle lui envoie terreur. Pas à bout portant. C'est contre l'intellect. Ah, c'est contre l'intellect, autant pour moi. Gros problème! Parce que l'âme, j'avais encore une possibilité de réussir, mais là... Je peux toujours rater, hein. Tu vois. Tous les deux font un fumble. Bah ouais. Oh ça va, il résiste. Bah, non. A pas l'air de marcher. Ah, mais il y a un, deux, un. Du coup, je vais retenter sur Jade. Sans prévenir! Mais. Attends, parce que, du coup, t'as tellement pas prévenu que du coup, faut que je retrouve sa fiche. Aïe. C'est sûr que ça va être compliqué de le faire sur Fizzle. Ouais, alors, intellect, t'as. Ouf! Quand même. Alors, regarde ça.
Non, mais elle est cheatée, j'ai hâte, je sais pas pourquoi je l'ai choisie. Allez, c'est quoi, tu réussis ta lecture. C'était de pas pensée. Un saut de dés, je remettais mes dés bien dans machin. Bon, bah laisse tomber, j'ai déjà deux explosions sur les dés, laisse tomber. Et là, tu réussis ta lecture de pensée. Ils ne savaient pas que je me préparais à les poignarder dans leur sommeil. La dernière fois, je t'ai dit que quand tu rates un sort, c'est un PP. Mais étant donné que c'est un jet opposé, si tu fais 4 ou plus, c'est considéré comme entre guillemets réussi. Mais comme c'est opposé, il y a une résistance, donc c'est la totalité non, mais du. J'avais oublié que ça rate. Enfin, mais là, tu. Tu... Points, que ça devait... Oui, non, mais là, tu les comptes justement parce que tu as réussi le sort. C'est juste que oui, ça a été résisté. J'ai compris. Voilà. Bon, et eh ben écoute, puisque c'est ça, je vais le faire sur un random dans la pièce. Alors, attends, parce que c'est... Tu vas le faire sur quelqu'un, va y avoir la musique du pyro. Do you believe in magic? C'est voilà. Ça cette personne. C'est quoi ça? Non, mais c'est un terrestre ou un... C'est un terrestre. C'est une terrestre, on dirait. J'essaye de retrouver son token. C'est là que c'est une licorne. C'est une terrestre. Très bien. Ah bon. Ce sera sur elle. J'aime bien comment elle a dit bah, ok, pas sur Garnet, pas sur mes trois autres. On ça me saoule. Ah. Ok. Ah bah, du coup, en fait, c'est quoi que tu poses comme question? Parce qu'il faut que tu poses une question. Ouais. Est-ce que tu connais la loose et la partie? Ça serait bien. Bah, je dure tout simplement, as-tu un lien avec les libérateurs rouges? Voilà. Alors attends, je vais juste regarder avec plus de précision la lecture des pensées. Je crois qu'elle peut que répondre par oui ou par non, il me semble. Ça, c'est divination, il me semble. Ah merde. Ah putain, je suis enroué, excusez-moi. Alors, lecture des pensées, le jet d'arcane est opposé à l'intellect de la cible. En cas de succès, le personnage obtient la réponse sincère de la cible. Celle-ci est consciente de l'intrusion mentale, sauf en cas de prouesse. Donc là, il n'y a pas eu de prouesse. Elle peut appeler un modificateur. Bah, c'est pas écrit ouais. Ça sur mon truc. Bah. Et moi, c'est écrit sans que la cible en ait conscience. Bah, elle en a pas. Attends. Après, j'ai regardé la version rapide. Donc, j'ai pas. Donc. Non, ça, c'est quand. Que en cas de prouesse qu'elle n'en a pas conscience. En cas de succès, elle en a conscience. Okay. Quand c'est entre crochets, ça veut dire prouesse. D'accord. C'est... Je ne savais pas. Je me coucherai moins. Donc, la réponse est non, il n'y a pas de lien avec les libérateurs rouges. Qui êtes-vous? Par contre, elle cligne un petit peu des yeux, tu remarqueras, puis regarde à droite et à gauche ce qui s'est passé. Ses potes qui. Ça va? Ouais, je sais pas, j'ai. Et moi, je regarde ailleurs, l'air innocent. Bah. Et puis, elle baissera la voix pour leur chuchoter. La terrestre là-bas, la orange et jaune, bah, elle n'a pas de lien avec les libérateurs rouges. Bon, ça va. S'il faut faire un à un, tout le monde dans Equestria, on n'est pas parti. On n'est pas parti. Oui, bah écoute, j'ai pas réussi sur toi, j'ai pas réussi sur Jade, j'ai pris quelqu'un au pif. Oui, je comprends bien. Moi, mais... ça marche. Bah, il faudra que tu t'entraînes dessus, quoi. Ouais. Je me suis entraîné. Raté. Mmh. Après, je précise, parce que je n'ai pas précisé dans les précédentes sessions, qu'elle s'entraînait dessus en secret. Ce serait, en fait, pour moi, ce serait comme si elle améliorait son empathie quelque part, elle a poussé un peu plus, tu vois. RP-ment parlant, j'entends. Parce que... Oui. Yep. Comme moi, j'ai arrêté de préciser que Fizzle elle bossait sur ses cristaux et elle prenait des notes hein, chaque fois qu'il y avait des pauses. Ah, puis elle mange. Il y a ces deux-là qui partiront. Okay. Souhaitant une bonne soirée à Whitesider. Au fait, ce coup-là. Oui. En parlant de nouveaux sorts, elle va sortir un cristal, elle va sortir un de ses cristaux. Je pense avoir réussi à
à refaire un sort de soin avec mes cristaux. Oh, c'est bien ça. J'ai réussi à améliorer le concept par rapport à la dernière fois, ça devrait... Le cristal devrait plus complètement perdre sa magie. J'espère, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. En espérant que j'aurai pas l'utilisé de si tôt. Bah de quoi, il sert plus à rien, moi. Tu me voles mon travail. Si, mais c'est juste... je pense que c'est mieux si on est... je pense que c'est mieux si on est deux à... À pouvoir soigner. Oui, mais il y a ta charrie, hein. Il nous vole notre travail. Que d'ailleurs, le cristal... il émet une très faible lumière verte, hein. Ok. Donc l'ambiance dans le bar est assez... calme, enfin un peu un minimum animé tout de même. Mm-hmm. Vous pouvez voir que les serveuses prennent des commandes et apparemment tout ce que vous pouvez comprendre c'est qu'il y a des gens qui sont là-haut. Mm-hmm. Parce qu'elle a commandé, il y a Velvet Cider qui a commandé des boissons pour deux personnes pour l'étage, elle va les servir. D'accord. Je vais aller demander à Monsieur Cider voir s'il aurait pas des infos sur. La petite Amber et Ulric. Bonjour. Salut. Comment ça va depuis le temps? Ça va. Salut. Mon Dieu, j'ai ça dans la tête maintenant. Mais stop. Du coup, je discute avec lui en fait. Concernant les disparitions qu'on en recherche, et particulièrement la fille d'Ember et Ulric. Mmh. En lui demandant si jamais il en aurait pas vu, s'il l'aurait pas vu, en lui décrivant le pelage brun, les yeux gris, les ailes, les crins, tout ça. Non, ça et... me dit trop rien. D'accord. Si jamais vous la voyez, elle s'appelle Silent Mist. N'hésitez pas à nous envoyer une lettre à Stalingrad si besoin. Très bien, j'en prends note. Merci. Justement, beaucoup. Il prend note. Merci beaucoup. Il y avait session. Oh, j'arrive. Avec cette ibotte. J'avais plus cette ibotte. Session surprise. Surprise, motherfucker. Exactement. Bon, et du coup, je dis aux autres que, ben, voilà, Monsieur Whitesider, il a pas vu la petite Amber et Ulric, mais qu'il nous enverra une lettre si jamais il voit quelque chose qui pourrait nous aider. D'accord. Il finit son... Koumis. Koumisou. Coucou. J'ai vu. Oui, il y a des gens. Il y a des nouveaux arrivants. Qui s'installent dans la table de l'autre. D'accord. Perception. Mais j'ai, ils sont nuls. C'est suffisant. Ah, t'as fait réparation, toi, d'accord, ouais. C'est suffisant. Vous verrez que le Bat Pony, il a une joue toute rouge. Visiblement, il s'est pris une bof. Ah, il a tenté. De... Requin. On se demande par qui. Par qui? Par Picard. Pardon.
Usant rigole, mais après ils sont pas non plus très très envahissants dans leurs paroles. Ils veulent pas non plus te déranger. Si tu veux écouter, ça sera un autre jet de perception. Je dois lancer un béni ou... Non, non, c'est un autre jet de perception. Oh bah... Silver aussi va essayer de... Il y a personne. Quand faut faire la commère, il y a du monde, hein. Hé hey. Avec un petit 5, ça suffira peut-être pas, mais... pareil, fuselé, écoute. Et le papé, il écoute pas la conversation ? Papé, il est décédé comme Golden, je crois. Le papé, c'est pas une commère, et surtout, il avait le micro qui était coupé parce que son frère était venu demander quelque chose. On est occupé ! Va te coucher, Arnaud ! Comment t'as su que c'était lui ? Bah, parce que le grand est pas là. Si, il est là, justement, vu que j'ai fait le taxi. Eh bah, tant pis. J'avais une chance sur deux. Donc, faut juste que je fasse un jet de leur côté, notamment sur lui. Ah bah oui. Donc, tu... Skoula, surtout, parce que les autres, ils ont... Ouais, si vous entendrez très rapidement, mais Skoula entendra parfaitement la conversation, que, grosso merdo, il aurait... Le Bad Pony, ici, aurait tenté de draguer une pégase brune, mais qui s'est fait, envoyer paître comme pas permis. Et ils en rigolent tous. Juste le pégase rose ici qui regardera le groupe, il regardera un petit air menaçant comme, du genre vous avez rien de mieux à faire que d'écouter d'autres conversations. Ouais, après, on n'est pas non plus. Il n'est pas tourné vers eux, hein. C'est genre il écoute. Mais les oreilles sont tournées vers. Ouais, mais les oreilles surtout. Ouais, ben, écoute, s'il me voit, je sais pas s'il me voit d'où il est vu qu'il y a Silver. Silver, meilleur bouclier, meilleur bouclier. Bah, il est pas non plus affalé sur la table. Enfin, tu les vois quand même. Ok, ben s'il me voit, je lui fais mon plus beau sourire avec un petit coucou de la patte. Le Bad Pony suit le regard du rose. Il s'apprête à se lever et la licorne violette, il fait non de la tête, tu te rassois, c'est bon. Oh putain, il va y... Moi qui le regarde. Cette espèce de chaud lapin. Non. Il regardait ce coup-là. Mais non, justement, je dis, le gars, il dit, oh, c'est moi qui le regarde. Elle veut mon corps. Le chaud lapin. Ouais. Les codes couleurs sont bien, hein. Il y a un show de la bite. Oui, le Bad Pony bleu et blanc et gris, là. Bon, en tout cas... Après avoir tenté d'écouter, Fizzle va se repencher sur cette question, en train de finaliser, de mettre un petit cristal sur un brassard. Mais il a pas réagi à mon charmant sourire, le rose. Il aurait roulé des yeux, juste. Oh là là, encore coincé. Un petit détail en plus dans la conversation que tu aurais pu entendre. C'est donc le licorne qu'aurait raconté au Pégase Rose que c'est vraiment pas de bol parce qu'il portait le même nom que l'ex de la Pégase. Elle aurait eu facile à ces gens, elle aurait eu facile à s'habituer au nom, tu vois. Fais les excuses bidon. Le même premier nom, hein, pas le nom complet. J'ai rien compris. En gros, il a dragué une Pégase, sauf que le Bad Pony, par hasard, il avait le même nom que le... Il avait son nom qui était le même que celui de l'ex de la Pégase. Ah, okay. Donc du coup, ben, baf. Et donc ça, tu l'aurais entendu avec ton 13, les autres l'auraient pas entendu.
Ce à quoi il aurait répondu, de toute façon, elle avait 5 chiards, j'étais pas prêt non plus. Ah, c'était Flora. Il a dragué Flora. Eh ben, dis oh, donc, mais quelle il horreur. Était... Attends, c'était quoi le nom du père? Le nom du père, c'était... c'était Boreal Storm, je crois. Sérieuse. Oh, oh. Je crois que c'est ça, c'était Boreal Storm. Yes. Bien joué. Oui, mais je l'avais dit, oui, que ça s'appelait Boreal. Donc c'est le Bad Pony ou la licorne qui s'appelle Boreal aussi? C'est le Bad Pony qui s'appelle Boreal. Très bien. Mm-hmm. Boreal Wave, c'est ça? Hein. Maintenant, il croit que ce beau fond, il a dragué Flora. Ah bon? Il a dragué Madame Flora? Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, une Pégase marron avec un bébé. Avec 5 bébés. 5 enfants. Il y avait les 5? Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit 5. Il a dit un chiard dans les bras. J'ai rien compris encore, excusez-moi. Elle avait 5 chiards. Ah, pardon. Bah oui, une Pégase marron avec 5 chiards, il a dit. Ah. Enfin, quelle manière de parler d'enfant. On dit pas des chiards, on dit des mioches au pire. Des lardons. Des gosses. Voilà. Des lardons, ce serait un peu creepy pour des... Non mais sérieusement. C'était une petite dédicace pour un de mes potes qui appelle les enfants comme ça. Oh mais sérieusement. Ma grand-mère aussi. Oh, on en mangerait. Ah putain, genre, stop. Pas d'enfants, hein, mais de lardons, des vrais lardons. Là, on aura des enfants. Non, c'est grave. On devrait aller faire une rêve. Ouais. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'est pas passé. Enfin, on va pas venir la faire la déranger à chaque fois qu'on vient. Voilà. Wow. Il prend des nouvelles. Pour lui dire salut, ça va? Elle va dire bah non, il est part de mon mari et puis ça va être bizarre et voilà. Oui, mais on peut l'aider. Ah. Nous, on va voir pour les chambres. D'accord. Ok. Pas de chambre de 6. Honte à toi, Azuma, tu n'as pas prévu les groupes de 6 personnes. Ah, donc, là-bas, j'aurais bien aimé. Elles reviendront et diront bon, on a dû prendre 2 chambres, une chambre de 4 et une chambre de 2. D'accord. Ok. Silver, tu veux venir dans la chambre de 2? Silver, quelle bonne idée! Et Garnet qui tire Jeanne. Ah! Laisse Koula, laisse Silver. Mais laisse-la, lui dépuce le tic-tac. Mais laisse-le tranquille, du coup, là. Silver, il est en mode charabia là. Mais non, mais alors, Garnet. C'est pas une jument pour toi, Silver. Peut-être que Garnet est jalouse. Arrête ce coup-là. Mais non, mais Link. Elle veut Jade. Alors attends, Jade est hétéro, tout cool. Et Garnet. D'accord. Bah elle est descendue aussi au passage. C'est pas vrai. Une nouvelle orientation, ça, descendue. Qui c'est qui est descendue? C'était Velvet Cider, parce que entre temps, oui. Elle a quand même donné ses boissons. Du coup, je m'écarte un peu, hein, parce qu'on était un petit peu tassés. Aïe, aïe, aïe. Silver, il se concentre sur sa boisson. Arrêtez d'être coincé comme ça. Il y a une chambre de 5 après Lucky, mais... Oui.
En tout cas, moi, enfin... Je sais plus ce que je voulais dire. Faut le laisser s'il a pas envie, il a pas envie. Avec le temps, il y aura quand même de moins en moins de clients qui commenceront à partir. Non mais ça va, c'est un peu plus taquiné. Taquine, oui, mais au moment quand on dit non... Ah, mais faut vous détendre, hein, les gars. Je suis détendu. Mais alors pourquoi tu me fais la morale, là? Parce que... Mais t'es pas ma mère! T'es pas l'une de mes mères! Il y a le Pegasus qui est là, moins fort, s'il vous plaît. Ah bah, toi aussi, va te détendre, hein, Coco. Et alors, le respect, ça... Mais oui, alors, tu devrais te détendre un petit peu. Oh putain, c'est un truc. Je m'en doutais. Et l'autre, ça va être Stripe. Je me disais bien qu'il y avait un code couleur qui me rappelait quelque chose. Quand même, oui. Elle est où, Son? Et Flame. Elle est où, Flame? Elle est dans le cimetière. Ah, non, sa place. Ah, sa place. Elle est à sa place. Quoi, ici? Non, elle est là. Attends, je mets le gif. Voilà. Donc il est grand, ça marche pas. Mais justement. C'est ça qui est... Il est grand et moche. Comme le prochain personnage Golden. Le licorne, lui, va se lever. Mais bon, sur ce, je vais vous abandonner. Bonne nuit, Scratch. Bonne nuit. Ah, j'ai pépé. Est-ce qu'il est beau, au moins? Ah, il est plutôt beau gosse. Bah, du coup, je le regarde. Mais pas autant que le Bad Pony, qui, lui, a très séduisant. Ah, moi, je regarde quand même Scratch partir. Tu l'as appelé Scratch juste pour pas qu'il s'appelle Strike, ou... En fait, y a un petit truc avec les noms aussi. Comme Stripe n'avait qu'un seul nom et pas deux, j'ai dû modifier quand même. Parce que la deuxième partie du nom est modifiée chez tout le monde. D'accord. Je me rends compte, il a légèrement fait un truc comme s'il avait de la barbe là, ou c'est juste une impression, je sais pas. Non, il avait de la barbe de base. Ah, ok, c'est pour ça que le rose est différent. Non, mais en fait, c'est l'enfant de Crystal et Earth. Oups. Une sale gueule. Hein. Silver, il va bailler largement. C'est pas du tout pour camoufler le fait que je viens de bailler. Bah, vous voulez aller vous coucher? Faudra bien à un moment donné. A été longue. Qu'on réfléchisse aussi contre la bonne forme quand il faudra aller voir les prisonniers. Mais avant, il doit faire quelque chose. Quoi? Elle se lève. Elle s'étire. Que c'est-à-dire? Oh non. Hola! Bonsoir, mademoiselle! Dites-moi, vous connaissez la Luz de la Muerte? Oh non, c'est reparti. Il arrive à tendre son aile, pas encore, mais peut-être pourriez-vous m'en dire plus? Oui. Plus en profondeur? Oh là là! Alors on va te calmer tout de suite! Bah, moi je vais me coucher, hein. Bonsoir, Boréal! Mais restez! Bonne nuit! Oh là là, il est pas très aimable ton copain! Bon, par contre, faut enlever ton aile, on n'est pas potes. Hein. D'accord, il la retire! Mais il reste mais l'autre! Mais cette espèce de chaud lapin, putain! Mettez-le dans la glace! C'est génial! Mettez-le dans la glace, sérieusement! Je vais mettre en œuvre toutes les techniques de l'école de mon ancêtre, Stormice!
Ça serait drôle, tu vois. Ouais, sachant que Storm, il avait pas vraiment besoin d'expérimenter toutes les techniques, il les connaissait déjà toutes. C'était inné. Ah non, pas vraiment, il s'est entraîné. Attends, mais tu dis quoi, qu'il a laissé l'autre aile, j'ai pas... Non, non, il a retiré son aile, juste. D'accord. C'est moi qui disais une connerie. Donc elle... Eh ben, elle va lui parler de la loose de la muerte en papillonnant des cils pour bien avoir toute son attention. Oh putain. Et lui, il écoutera tranquillement, vraiment d'un air charmeur, etc. Une fois que tu auras terminé ton histoire, il commencera à raconter un petit peu la sienne. Mm-hmm. C'est très intéressant. Elle est malade, et maman, elle dévalise les poubelles. bah écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites. Moi, je suis aventurier depuis très peu de temps maintenant. Mm-hmm. Avec mon groupe, on est plus que 5 maintenant, on était un petit peu plus avant, mais... Mais bon. Ils sont tous morts. On est unis comme les doigts de la main, nous 5. C'est quoi une main ? Oups ! Les Minotaures existent. Comme les doigts d'une main de Minotaure ? Pas vous. Comme les crins d'un Pégase, comme les crins d'un poney. Ils sont pas 5, il y en a plus. Oui, con. Mais on s'en fout. Oui, mais on est les crins sont unis. Ils sont attachés à une même tête. Oui. Notre groupe s'appelle les Rizots. Ah, mais on en a entendu parler. Oui. Par qui ? Par Barjad, justement. Ah bah oui. Ah, c'est vous. Vous êtes pas des bandits ? Était. Ah bon. Bah c'est bien de se reconvertir, hein. Mm-hmm. Puis c'est pas forcément une chose mauvaise. Celui qui est à la tête de notre groupe s'appelle Scratch, c'est la licorne violette que vous avez pu voir tout à l'heure. Moi c'est Boréal Flo, enchanté mademoiselle, il te fait un baisse sabot. Scola mort. Ah. Enchanté. Le petit grincheux de tout à l'heure, c'est Earthstrike. Ouais, faudrait qu'il se détende. Ouais. Et on a aussi une terrestre qui s'appelle Sunflower Realm. Et Flemme Fieri, qui est une Pégase. Mm-hmm. Sacré groupe. Et elles sont où, vos copines ? Oh, elles sont là-haut, tranquillement. D'accord. Elles ont passé leur journée à faire du shopping à Canterlot. Pardon ? C'est méta ! C'est méta, putain. Oh la vache, c'est pas mal. Pretty woman. Et vous allez où après ? Ah, je sais pas trop encore. On va, on vient. Vous voulez venir à Stalingrad ? Mais... On avait prévu de passer par marché. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Pas dans la même direction, oui. Peut-être visiter un petit peu les autres pays, tant qu'à faire. Parce qu'il y a une guilde à Stalingrad, si ça vous intéresse. On voudrait bien d'autres partenaires. Elle va des cils. Mais... C'est très, très aimable de votre part de proposer ainsi, mais nous avons déjà notre groupe d'aventuriers, malheureusement. Mais peut-être que nous aurions l'occasion de se revoir, beauté. Oh là là, au secours. Des yeux. Ouais, mais vous comprenez, on aimerait défaire un groupe de bandits et apparemment vous les connaissez. Alors. Ça dépend de qui ? Yeux doux. Les... comment ils s'appellent déjà ? C'est Beaufin. Double Horn ou je sais pas quoi. Double Horn. Ouais. Ah, ouais, c'est bon, ces enfoirés-là. Bon, venez à table, vous, là, bande de... Bah, c'est une conversation. Enfin... Ramène ton cul. Je présente Silver, mon compagnon. Ah ! Bonjour, Silverleaf. Silverleaf, Woodtalker et... Je m'appelle pas Tucker. On dirait une grande... Cutter. Machin, vas-y, c'est fraise. Qu'est-ce qu'il allait dire ? On dirait une grande ? On dirait une grande famille unie. Puppy, le papa, la maman ça, et la ouais. petite fille. Qu'est-ce que c'est la maman, là ? Bah, toi. Je t'occupe pas. Maman. Je vais pas être la maman, je suis trop vieux. Moi,
il était 24 ans. Ouais, alors attends juste. Ce coup-là, tu vas me faire un jet de perception à moins 2, les autres perceptions tout court. Étant donné que Fizel elle est concentrée sur son truc à moins de aussi. Excuse-moi. Fizel voilà. Ah, mais ça suffit. Oh. Quoi? Bah ramène ta croupe. Et en plus j'ai mis moins 2 par erreur, donc techniquement j'ai fait 17. Oh putain de merde. Je suis occupé. Eh ben viens t'occuper à côté de nous. Oh mais c'est quoi ces jets? Il y a Silver qui n'aura pas spécialement fait gaffe parce que c'était contre le jet de discrétion du Bad Pony qui a tenté de remettre son aile tranquillement sur ce coup-là et vous avez tous tilté sauf Silver. Du coup, elle le regarde. Hein. Mais j'ai fait 7, ça n'a pas suffi? Non, il a fait 8. Ah, d'accord. Ah, il est discret. Hein. Ah, bon, Réal a toujours été discret. Mais. Quel bourreau des cœurs. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que celui-là aussi, il a un bébé prêt à être coupé? On sait que... Enfin, il me semble que quelqu'un avait dit qu'il avait soulevé Rosic ou je sais pas quoi. Ouais, mais il n'y avait pas eu de nom de cité, c'était un Bad Pony qui a été cité. C'est ça, c'était un Bad Pony. Et là, il y a une petite Pégase ou autre qui vient et qui fait « Boréal, qu'est-ce que tu fous? Mieux faire, je te jure, c'est pas ce que tu crois !» Ça sera un mieux show. Du coup, pour répondre à ce coup-là, je pourrais pas me concentrer si vous êtes. C'est délicat là. D'accord. Bon, du coup, j'insiste pas. Plus. Bien. Messieurs, mademoiselle. Mmh. Monsieur. C'est pas que vous m'ennuyez, mais il va commencer à se faire tard et... Mais t'as pas répondu. Et j'ai dû... C'était quoi la question? À propos des doubles ornes. Ah oui, c'est vrai, merde, pardon. On a lâché l'affaire depuis un bon moment, ma petite dame. Ouais, mais justement, si on allie nos forces, on pourra les défaire. Persuasion! Persuade-le! Persuade-le! Avec mes yeux doux, ça... Non. Oui, ce sera surtout en secouant ta croupe. Ah, je peux faire de la performance. Oh mieux vaut toi que... Oh, cette persuasion. Bon, c'est contre son âme, hein. Il me semble, oui. Au pire, il reste une carte. C'est vrai qu'il y a la carte. On va pas l'utiliser pour ça. Bah, pourquoi pas. Et on prend nos alliés où on peut, hein. Vous savez, ça risque d'être dangereux, mais... Pour vos beaux yeux, je pourrais peut-être faire un petit effort. Ah, très bien. Alors, il faudrait en parler avec tout votre groupe demain. J'en parlerai, oui. Parfait. Je savais qu'on pouvait avoir un accord. Oh là là. Ah, il est question d'accord que s'il y a quelque chose en échange. Voilà, on y vient. Eh bien, la... Comment ça s'appelle? La satisfaction d'avoir mis à terre un groupe de bandits. Vous êtes dur en négociation. Vive ton rôle. Et là, il va demander un rendez-vous romantique. C'est pas le genre de mec qui a l'air de vouloir de un truc romantique. Non, il veut surtout me soulever, mais bon... Oui. Bah oui, mais le truc romantique, après, tu peux... C'est... Voilà. Non, lui, je pense pas qu'il se fioriture tout ça. Écoute, si on peut les avoir... Dimi, s'il veut taper dans le vent. J'irai pas jusqu'à me prostituer, mais si on peut les avoir comme alliés sans ça, moi ça me va. Hein. Je comprends. Un peu plus de partenaires sans mauvais jeu de mots, c'est bien quand même. D'alliance, voilà, plutôt. Ben, sur ce, messieurs, madame, je vous souhaite une bonne soirée. Moi aussi, bonne soirée. Et mademoiselle, si jamais vous êtes intéressée par une nuit de folie, vous pouvez venir frapper à ma porte. Clin d'œil. C'est à moi qui dis ça. En te faisant un poutou sur la joue. Oh, mais du coup. Faut demander avant. Je joue le jeu, je lui fais un regard très hard. Et puis elle vomit. C'est ça.
Voy a réfléchir, hein. Allez, à plus beauté. Et quand il est parti, mais qu'est-ce que c'est que ce gogol? Enfin, pas trop dégoûté. Un peu. Un petit jet de perception, vite fait. Lui aussi, il est dégoûté. Il a pas eu... Voilà. Putain, mais les jets. Bon, est-ce que je vais voir le monde? Dès que c'est inutile, pas. Fais des jets. Ah oui, tu vois bien le monde. Donc, ah bah oui. Vous remarquerez que quand il marche, etc., il essaye toujours du mieux que possible de passer sous les chandeliers, enfin, loin des chandeliers, loin de tout ce qui est bougie, flamme, etc. Il a pas la phobie de l'eau, lui. La phobie du feu. Sérieusement. C'est génial. J'en veux plus de ces rito wish. Alors, pour Lucky qui a pas la ref, même si je pense qu'il a... J'ai la ref. Alors, pour les spectateurs qui ont pas la ref, Ruru a parodié tous les personnages joueurs de mon JDR qui s'appelle... Après l'émeute. After the Riot, avec mon super accent, c'est pour After ça. The Riot. Non, mais laisse mon accent, il est très bon. Ah bah c'est d'un chic, Miss. Bon, mais si on peut avoir d'autres coéquipiers, c'est bien, non? Non? Oui. Oui, bah, voilà. À mon avis, il était pas tellement... Il était pas tellement intéressé par... Par nous aider plus que t'aider toi. C'est pas grave, tous les moyens sont bons! Je sais pas si tous les moyens sont bons, mais merci de prendre... D'aller à ce point-là pour nous. Je pense pas que moi, la drague aurait marché. Il irait pas dans son lit, hein. Faut pas abuser. Hein. Ah, je me doute. Bah après tout ça... Il était très attirant, je vois pas de quoi tu parles. Il va aller me coucher. Oui, mais il y a qu'un étalon dans le cœur de ce coup-là. Et il est mort. Ah, il reste son père. Ah, oui. Et que seul étalon, oh, enfin, il y a Wood. Des moniques aussi. On vous a déjà dit que Karing vous ressemblait beaucoup. Au moins, bon, la différence, c'est que lui, il a plus d'expérience. Oh, bah, il a des oui. Non, j'ai rien à dire. Non, vas-y. Bah, il 18. Coucher, hein. Je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce que t'allais dire? Rien. Mais si, allez. Bonne nuit, à tout à l'heure. On va répondre d'où? J'allais dire que Wood, au moins, il allait pas lui jeter dessus en 8 secondes. Hein. Yes. Peut-être. 27. Bon, ah, faut qu'il arrive à bander déjà. Hein. Ah oui. Merde. Ça va, il est encore en pleine forme. Silver va partir dormir aussi. Ah. Et dire bonne nuit aux autres. Elles sont pas allées se coucher, elles. ta chambre, c'est ici. Ok. Ouais. Bonne nuit, Fizzle. Bah, faudra penser à aller dormir aussi. Bonne nuit. Moi, ouais, je termine ça et... Oh, la gueule. Oh, la gueule de Flame. L'étage. Run. Vite. Étage. Là. Regarde ta gueule. Pas contente. Ça, c'est la couleur des yeux, c'est magnifique. Les gens, faut vous détendre, madame. Elle s'est mis un suppôt ou quoi pour faire cette gueule? Oh, vous êtes méchant, putain. C'est pas très gentil. Non, elle est très jolie en vrai. Bah, du coup, je les saluerai du regard, enfin de la tête. Enfin, bref. Et vous salueront du regard aussi avec leur petite tisane. C'est où la chambre du coup? En bas, je crois. Ouais, c'est ça. Comme la dernière fois. Et Fizzle va rester pendant au moins une heure à travailler sur son truc. Rito Wish. C'est ça. Blarg. Moi, j'aime bien. Cela dit, ils sont pas tous Wish. Hein. Finalement, il y en a certains, et ceux qui sont Wish, c'est plus dans le JDR de base. Oh putain,
Super. Oh, méchant. Pardon. Il y a les Silver... mouches et les pimps, en fait. C'est ça. Silver, il enlève son armure de maille et il la met dans le coffre à côté du lit. La fameuse maille qui maille. Oh non. Sérieux. Cassez-vous. Bon. Là, je vais vous passer un petit peu la scène. C'était donc ça qu'il voulait absolument nous montrer. Oui. Oh. Ça valait le coup d'attendre. Allez, fin de session. Allez. Non, je vous passe juste la scène. Pour le moment. Nous dormons. Vous dormirez, vous serez réveillé le lendemain. Par le lever de lune, puis quelques petites affaires qui se passera en bas. Attends, juste aller où notre chambre. Je vais te mettre dedans. Puis. De toute façon, bougez pas spécialement les tokens, je vous fais un résumé juste. Okay. Garnett et Jade auraient déjà été descendus, prendre le petit déj, etc. Tout ira bien. J'ai regagné mes pépés. Oui, l'argent. Okay. Alors, est-ce que je peux faire un G sur Garnett? Ouais, vas-y. J'ouvre sa fiche juste. Mais pourquoi? T'as une relance, t'avais un point de conviction. Je vais pas mettre un point de conviction pour ça. T'as bien voulu que j'utilise une carte aventure. Je vais relancer tranquille. Je pense pas que ça marche, mais ils sont mes bénis. Ils sont là. Alors. Je pense pas que ça marche. C'est quoi ta question? Ma question c'est, est-ce que tu comptes nous trahir? La réponse est bien évidemment que non. Très bien. C'est un non, pas pour l'instant en tout cas, pas tant que vous semblez, comment dire, disons, ça j'ai pas le mot. Être utile. Pas utile, plutôt tant que vous êtes cool avec nous quoi. Ouais, tant qu'on les trahit pas quoi. Voilà. Okay. Et enfin bon, en fait, si justement elle est un peu mixte, les deux, c'est que Garnett te regardera droit dans les yeux et sort tout de suite de ma tête ou je te défonce. M'a-t-on m'a dit d'essayer hier. Ah, c'était ça. Oui. Désolé. Bah, ça marche. J'ai un bleu au doigt. Oh. Attendez, je veux un bisou magique, je reviens. Ah. Oh. Comment elle a peur à chaque fois que je mette une fessée. C'est pas vrai. Bon. Qu'est-ce que vous comptez faire le lendemain matin? Bougez pas vos tokens, pas forcément. Bah, je t'ai dit, moi je veux parler au Rito Wish là. Pour savoir s'ils sont d'accord pour venir. Je vais faire un jet pour Bobo. Oh, s'il faut séduire le chef, c'est-à-dire Scratch, je séduis le Scratch. Hein. Là, désolé, je suis pédé. Alors attends. Persuasion, il a ça. J'ai même pas fini la fiche de Scratch, moi, honteux. Honteux. Ok. On va mettre ça. Du coup, pour te répondre, ils réfléchiront à ta demande plus tard, mais c'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise idée. Bah, du coup, je leur donnerai l'adresse de Humber. Et tu auras su qu'il y a Earth qui appuie l'idée justement de faut les défoncer ces enfoirés. Pareil pour Flame et Scratch et Sunflower étaient plus du genre laissons tomber, on tourne la page, on va vivre notre vie ailleurs quoi. Bon, ça fait 3 sur 5, c'est pas mal.
si j'ai bien retenu. Je suis désolée, j'ai un peu le cerveau de travers, excusez-moi. Après les médocs. T'avais déjà des infos et des personnes en plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que je leur aurais demandé pour la petite d'Amber et... Je connais pas. D'accord. Vous êtes sûr Je connais pas. Bah, si jamais vous la voyez, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord? Ok. C'est important. Eh ben, merci en tout cas. Eh bien, pas de problème, ma beauté. On va faire comme Rainbow avec le frère de... Voilà. On m'appelle Boréal, ma beauté. Ma beauté. Avec l'envie de vomir. Du coup, on sait à quoi ressemblera Boréal si jamais il se fait transformer en Bad Pony dans Rito. Hein. Il aura rien à perdre. C'est méchant. T'es un connard. Un petit peu. Mais il est beau en plus, Bobo. Oscar, je t'aime. Heureusement qu'il est pas là. Mais tout sera répété, amplifié, déformé. Évidemment. Évidemment. Surtout après la partie de solo de la dernière fois. Sinon, bah, je réfléchis, mais je pense que ça sera bon pour moi en tout cas. Fizzle continuera à bosser sur ses trucs. Elle partira, enfin, elle ira juste à l'extérieur rapidement pour tester un de ses sorts. Mais quand même... Mais Wood, il va écrire, voilà. La deuxième partie de Canterlot va exploser. Mm-hmm. Ah oui, il faut que j'écrive aussi. Wood, il écrit... Et tu ne voulais aussi pas aussi aller... Tu voulais pas aussi aller voir si Kering, les si, lettres n'étaient pas arrivées. J'allais vous en parler, justement. si vous voulez aller voir Flora, je vais vous laisser y aller parce que... Je pense franchement que ça sert à rien qu'on y aille à 40 000. Et moi, je vais aller faire les recherches à la poste pour savoir s'ils ont de courrier perdu. Mmh. Et on peut se retrouver après. Oh. Oui. Tu veux que je t'accompagne? Comme tu veux. Bah, après je vais tout, t'es habitué à chercher dans des trucs, alors pourquoi pas? Ouais, je vais t'aider. S'ils nous laissent fouiller leurs archives, à moins ça, mis à part s'ils ils vont le fouiller eux-mêmes. Mm. Ok. Alors, je vais pas vous séparer, hein, ce sera assez rapide. Mm-hmm. Je vais commencer par la salle d'archives. Ok. Mm. Vous serez, donc il n'y a que Fizzle et Escula qui y sont. Vous serez accueillis par... Véronique. Poney. Ah, il est trop chou. Oh. Il a pas l'air très sûr de lui. Bonjour mesdames, en quoi puis-je vous aider? Hola, on nous a dit qu'il fallait venir ici pour le courrier perdu. Ah, vous avez du courrier de perdu? Ouais, ah, il a monté dans les rangs. Est-ce que vous avez une idée de quand... De quand il date? Ça fait un petit moment. En fait, il y a combien d'années? 5? Mm-hmm. Entre l'an... on est en combien là? 110? 110. Entre l'an 105 et 109? 8? 10? Ah oui, d'accord. Il a été envoyé à la Cité del Sol, mais ça s'est jamais arrivé. Ah, au moins une adresse qui pourrait nous aider, d'accord. Je vais voir ma supérieure. D'accord, merci. Et viendra... Pardon, s'il faut, elle donne l'adresse exacte de chez elle, hein. C'est pas un problème. Mm-hmm. Ça peut aider. Viendra cette Bad Pony. Ah, oh, elle est trop pipoune. Plus vous les avez déjà rencontrés, donc c'est prêt. Je sais plus. Si vous avez, il y a la petite pastille qui dit que vous les avez déjà rencontrés. Bon, je m'en souviens oui. pas. On les a croisés. On l'a vu une fois, oui. Bonjour mesdames. Hola. Et je. Vous souhaitez du coup consulter les courriers perdus? Ouais, s'il vous plaît.
Sachez que, nous demandons généralement des adresses précises et nous surveillons bien évidemment puisque n'importe qui pourra essayer de chercher et de lire des courriers perdus et de lire des lettres qui ne leur sont pas spécialement dédiées. Elle hoche la tête puis elle dira son adresse, que l'expéditeur c'était un dénommé Carringwood et tout ça. Elle donne toutes les infos qu'il faut. Bah du coup, veuillez patienter, je vais aller chercher ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et si Fizzle regarde ce coup-là, elle a l'air un petit peu stressée. Ça va aller. Ouais. Ah, il y a 3 bibliothèques, du coup. Non, je plaisante. Il y en a 4. ouais, j'ai retrouvé... elle s'appelle Fashion Storm. Dans les civils de Canterlot. Alors. Et pendant qu'on attend, Fizzle, elle va se poser un peu plus loin. Parce que j'imagine qu'on était un peu à l'extérieur. Il me semble qu'on avait une petite plateforme avec un endroit où on pouvait parler aux gens. Oui, c'était à l'extérieur, la poste. Ouais. Non, c'est juste que j'avais pas de map intérieure. Ah, bah peut-être que là, on va rentrer du coup. Vous êtes à l'intérieur. Ok. Oh, il y a sûrement des petits bancs. Ouais. Un peu écarté juste au cas où, et elle va tester un petit truc. Va tenter de faire apparaître. Mais Fizzle, c'est pas le moment. Bah, attends, le temps qu'ils font ça, ça risque de prendre un peu de temps. Ouais, bah tu feras ça après. C'est pas le lieu là. Oh. C'est pas possible. Et elle va lui ébouriffer la crinière. Yeah. Non, tu m'embrouilles la crinière. Non, je voulais t'as du panier pour t'aider, mais bon. Une heure passe. Deux heures. 8 heures. Trois. Bon, ok, au bout d'une heure et demie, je lui dis, bon, vas-y, te peux. Du coup, son petit truc va faire apparaître... Elle va faire apparaître un petit chat. Un petit chat. Ouais. Voilà. Juste un petit chat. Il fera pas de son. Mais je veux le caresser, le petit chat. Et il s'appellera Hydromel. Il y aura un des employés qui... T'es bien à l'intérieur. Je serai sûrement pour éviter juste tout souci. Je pense que je serai parti à l'extérieur. Ok. En attendant. Parce qu'il y aura des pancartes à l'intérieur. Pas de magie, ouais. Pas de magie, etc. Ouais, bah, j'aurais vu ces pancartes, donc je serais allé à l'extérieur pour tester. Licorne, keep out. Keep out. Moi, j'attends à l'intérieur, au cas où. Au bout de 3 heures, la Bat Pony arrivera... Et elle sera revenue, finalement. Enfin, ça sera pas la Bat Pony qui arrivera avec des lettres, ça sera un autre Bat Pony, un autre employé, lui ou elle. Oh. En plus, vous les avez déjà vus, elle traînait souvent au bar. Madame Scoulamore. Ouais, c'est moi. Tenez, voici les lettres, le courrier perdu que nous avons retrouvé. Désolé pour l'attente. Ça aurait été tellement drôle. Elle te tend 6 lettres. Oh putain. Ça aurait été tellement drôle que dit Madame School Armor, parce que du coup les lettres sont jamais arrivées parce qu'il avait écrit Armor au lieu d'Armor. Quel con. Tellement con. Voilà, dans les lettres, tu as les lettres de Karine. Les 6. Si tu veux, je peux les lire. Non. Et pourquoi je pourrais pas les lire? T'as lu tout mon truc. Oui, c'est personnel. En vous souhaitant je te regarde en haussant un sourcil. Une bonne journée, ma chérie, n'importe quoi. Une bonne journée. ma chérie. Ah là là, ma chérie, je te souhaite une bonne journée. Pendant ce temps-là, les deux autres qui étaient partis voir Flora. Exactement. Ouais. Je suis en train de réfléchir à un truc. Oh, ça y est, je sais. Mais je vais vous prendre à part, vous. Ah bon. Comme ça, je vais laisser Loupi tranquille lire. Mm. Donc, Loupi et Lucky, déplacez-vous. Oui.
Oh non. Ça va, Lou? Oui, je suis en train de lire Mage Vigilante. Ah, c'est affreux. Qu'est-ce que t'apprends? Bah, c'est le genre, ouais, je t'ai écrit, mais tu m'as pas répondu. J'attends quand même que tu me répondes. Ah, voilà. Tristesse. Oh! Il a pas lâché, hein. Ouais. Ouais. Il a retrouvé son masque. À un moment donné, il dit... Bon, je pense qu'en vrai... Elle te les aurait fait lire les lettres. Ruru ? Quoi ? Excuse-moi, tu peux donner l'accès aux lettres à Lucky, s'il te plaît ? Ouais. Parce que elle serait venue près de toi et elle aurait pas osé les ouvrir tout de suite, donc je pense que tu aurais pu les lire avec elle pour l'encourager en gros. Par contre, elle te dira que c'est peut-être un peu intime et de pas trop la juger. T'inquiète. Bah tiens. Ouais, j'arrive. Il t'a escorté. La porte s'ouvre vers l'intérieur. Oui, c'est pourquoi. La lettre du 15 juillet, ah yes! Ah, 15 juillet 106. En fait, il envoie tous les 15 juillet. Ouais, ouais, je vois ça. Oh, c'est trop triste. Pauvre Karing. J'espère que les gens ont eu le temps de lire. Les gars, ils peuvent mettre pause. Oui, bah de toute façon, je lis lentement, donc ça va. Vous allez me faire chier longtemps comme ça. C'est tellement triste pour la Berry Sweet. Mais c'est triste pour tout le monde, en fait, hein. Ouais. Vous allez me faire chier longtemps.
crachera par terre, terrestre de mer. Ah, demander pourquoi ils ont jamais livré les lettres. Bah oui, ouais, c'est une bonne idée ça. Bah, je pense qu'ils ont juste pas trouvé ou qu'ils voulaient pas aller jusqu'à la cité d'El Sol, je sais pas. Et d'ailleurs, Lucky l'a croisé dans la cimetière. Pourquoi ça parle de moi là dans la suite? Je crois qu'il voit la mère de Flora qui est une sale raciste. Mmh. Ou le père, j'en sais rien. Ouais, c'est la mère qui est un peu raciste. Donc en fait, il a décidé. En fait, attends. Donc le fait que télé. Donc. En train de me parler. Ah bah pardon, mais juste du coup, il y aura Silver et Wood qui seront arrivés une petite demi-heure après. J'aurais. Après la demande, t'auras pas encore reçu tes lettres. Ah ok. Tu voulais me dire quoi, Lucky? Non, ouais, je vais te le. Tu me l'écris? Je vais te l'écrire, ouais. Ok. Moi aussi, j'ai le droit de savoir. Oui, mais on te dira, mais je. Peut-être. Donc, du coup, il y aura une demi-heure après avoir fait ta demande, Kula. Wood et Silver qui rentreront dans le bureau de poste et qui vous rejoindront. Okay. Ça s'est bien passé ? Non. Ah. Madame Flora est partie à l'aventure toute seule, apparemment, partie ce matin. Mais pourquoi faire ? À mon avis, pour nourrir sa famille, vu qu'il n'y a plus personne d'autre qui. Visiblement, la grand-mère des petits qui était là s'occupait d'eux, elle nous a dit que fallait bien faire de l'argent et elle est partie. Nous a claqué la porte. Il y a quand même des métiers plus pratiques que partir à l'aventure. Oui, je pense. Quand on a 5 gosses. Elle est ravagée d'aussi boulot, celle-là. Écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, la grand-mère, elle est bien raciste. Elle nous a claqué la porte au nez en étant de sale terrestre. Alors, désolé, mais j'ai pas entendu parce que j'ai bugué. Et ils ont dit que la grand-mère était raciste et que Flora était partie à l'aventure pour se faire de la thune. Voilà. Mais d'accord. Elle est quelle race? Je vais aux toilettes, je reviens. Grand-mère, c'est une Pégase. Évidemment, pas de Pégase. Elle m'a dit. Sale terrestre. Elle a pas dit où était partie Flora? Elle sait pas exactement, elle a dit peut-être vers Wimborne, je sais pas. Mm. Et puis en plus, vu comme ils nous traitaient, je pense que même si elle l'avait su, elle aurait pas voulu nous le dire. Ben, on va aller lui parler et on va essayer de récupérer sa fille et la faire changer d'avis parce que bon. On va attacher une chaise et lui faire cracher le morceau. Clin d'œil. D'un autre côté. Mais elle a 5 enfants, il faut la raisonner, elle peut pas partir à l'aventure comme ça. Mais. Je sais bien, mais. Je sais bien. Mais quoi, qu'est-ce que pourrait faire à la place? Ils ont déjà perdu leur père, ils vont pas perdre leur mère aussi. Mais peut-être qu'elle voulait rejoindre. Je sais pas, Amber et Ulrich, j'en sais rien moi. Dans les temps qui courent, c'est une très mauvaise idée. De partir toute seule sans. On sait même pas si elle sait se défendre ou si elle a des. Enfin, si elle sait reconnaître les fruits mangeables, je sais pas moi, faut la retrouver, hein. Au moins l'accompagner. On va même lui proposer de nous rejoindre, finalement. Au moins, on aurait un œil sur elle. Oui, mais faut d'un côté, enfin, faut aussi comprendre sa situation, enfin.
Oui, mais il y a c'est bien, mais bon. Il y a une bonne situation, ça. Mère de 5 enfants. Faut qu'on parle avec elle, c'est sûr. Bon, on va aller voir la mémé et on va la faire parler. Non, je crois pas, non. Je crois pas, non, parce que la mémé, elle a pas voulu nous parler et puis elle avait l'air très raciste. Hein. Ouais, bah moi, je vais aller la faire parler. Mais on sait pas pour combien de temps il y en a. Et elle revient après, au pire. Bah écoute, reste là pour tes lettres. Bon, d'accord. Bah allez-y. Allez. Là, vous faites comme moi, vous criez plus fort qu'elle. Moi, je me suis dit, j'utilise la carte et je la drague. Oh oui! Ça marche pas, elle est raciste. Vous êtes tous les deux vieux. Mais c'est pas grave, alors, peut-être que... J'ai pas... Tu vas réussir à faire fondre son cœur, peut-être. Ça m'étonnerait, vu la gueule... Vu ce que c'est... Pour avoir eu un peu d'expérience avec ce je personnage... Fous, je m'en fous, c'est drôle. Ah, mais attends. Attends, que je me... Attends, c'est... Sauvage. Ouais, la carte Soyez Sauvage. Tu bénéficies d'un atout de ton choix. Tu te donnes. Moi, j'ai la carte Cracher le morceau. Oui, mais t'as. Non, mais t'as l'atout. Mais tu peux te choper l'atout très séduisant. Pendant une seconde, Heurt. Il devient Heurt. Non, mais faire cracher le morceau, c'est la personne que vous avez interrogée. Déjà que vous avez besoin de connaître, c'est juste qu'il n'était pas aimable. Vous dites tout ce que vous voulez savoir, que ce soit par la persuasion amicale, par l'intimidation ou par la force. Non, mais franchement, fais-le. C'est mais trop tard. S'il te plaît. Bah, Ren vient pas de dire qu'on avait toutes les informations, juste qu'elle n'était pas aimable. Oh, mais c'est pas grave, c'est pour l'accent, c'est rigolo. Bon, bah, sinon. Faites ce que vous voulez. Eh ben, sinon vous allez interroger les trous de cou là. Le chef des rouges. Des rouges. Des capuches rouges là. Les détraqués. Les communistes. Les connards. Je préfère oui, les communistes que les capés. Hein. Pendant qu'il y a temps ici. D'accord. Du coup, Fizzle continuera d'attendre avec moi ? Ouais. Okay. Vous êtes sûr que... Enfin, il vaudrait peut-être mieux qu'on y aille. Enfin, vous êtes... Je suis pas le meilleur pour interroger. Ah, oh, Silver, tu prends confiance en toi, tu vas y arriver. Un aventurier ou pas? Autre fois, ce sera toi qui seras de l'autre côté de la table. Voilà. Alors, Et elle te dit déjà, vous me frappez pas. Je vous emmerde. Arrêtez de me frapper. Je vous emmerde. Mais elle était trop bien, ta réplique. Mais c'est un compliment, dis merci. Non. Bref, il a dit non. Vous allez à la caserne, du coup? Oui, on va y aller, hein. Je vais pas vous séparer, pour le coup, histoire que vous ayez les informations en même temps. Ça sera retransmis entre deux, je pense. Bien sûr que ce sera retransmis. Vous serez donc, du coup... Il y a que Silver et Wood qui y vont? Oui. Bah oui. Ouais, bah oui, parce qu'il y a... Ouais. Fils de la accompagne, reste avec Soukla. Tac. Vous allez très, vous le croisez très souvent celui-là, quoique je vais mettre celui-là. Vous serez accueilli par cette licorne. D'accord. Hey, c'est celle qu'on a vue quand on ça a été. Ça fait beaucoup cette licorne. Yes. On l'a vue. C'est celle qui s'est occupée de l'affaire du mari de Flora. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? On était venu pour interroger les libérateurs rouges. Ah oui, c'est vous qui les avez ramenés, c'est ça. Effectivement. Bah, ils sont tous morts.
Ouais, ils sont pas très loquaces actuellement. Je sais pas si vous arriverez à faire grand chose, à moins que vous ayez une carte spéciale. Ouais, je suis convaincant. Allez-y. On rentre, on y va. Elle va vous accompagner jusqu'à la salle d'interrogatoire qui était où justement sortira ce Pégase. Ah oui. Il est tellement beau, lui. Il a une putain de classe. Bonjour, je suis BG Swag Maximus. Dont la licorne fera un salut militaire. Repos, lieutenant. Capitaine Spark Armor, ces deux-là aimeraient interroger les prisonniers. Eh bien, bon courage à eux. Puis il retourne à ses affaires. D'accord. Et du coup... Tellement beau gosse. Je l'adore. Je le kiffe. Bon, et du coup, on y va, monsieur Wood ? Ouais. Je vais leur montrer de quoi, de quel bois on se trouve. Ouais. Je vais vous mettre face... Surtout à celui qui était considéré comme étant le chef de cérémonie. Le voilà. Et vous savez qu'il s'appelle Marble Hoove, par contre. D'ailleurs, dans les libérateurs rouges, dans lui. Ah oui, lui, il est emprisonné. Je vais vous mettre tous ceux dont vous avez chopé les noms. Dans le dossier Libérateur Rouge, donc en gros tous ceux qui... Ceux qui sont connus, quoi. Non, pardon, pas lui. Pas lui, pas lui, pas lui. Il y en a deux qui s'étaient échappés lors de la cérémonie. Mmh. Bon, bah du coup, on aurait dans les RIP. Non, vous aurez pas le nom des RIP parce que justement, bah comme c'est anonyme, chère. Vu qu'ils sont morts, eh ben on les connaîtra pas. Mais du coup, elle a dit après enquête, si il pourrait y avoir les noms. Donc je vous les mets quand même. D'accord. Bah du coup. Commence à interroger le. Il a pas l'air très loquace en tout cas, donc allez-y. Bah. Monsieur Wood. Il va parler, j'utilise la carte. Il y a le lieutenant derrière qui regarde la scène quand même. Tu vas parler, utiliser la carte. Alors c'est-à-dire que du coup, alors je vais tout vous expliquer de. C'est un malentendu. Alors, en fait, écoutez, je vais tous vous expliquer. Ça part d'un malentendu, en réalité. Bah, Silver, il va dire, dites-nous tous les noms de tous les conspirateurs que vous connaissez. Écoute, on peut le faire de deux manières, la manière forte et la manière moins forte. Tout ce qui compte, c'est savoir c'est quoi que tu préfères. Mais crois-moi bien que t'as pas envie de savoir c'est quoi la manière forte. Intimidation, ça, t'en as ? Non, mais j'ai une carte. Oui, mais il faut quand même utiliser ces écrits. Pas ce qui est écrit. Bah, non, il n'y a pas besoin d'utiliser. La personne que vous interrogez vous dit tout ce que vous voulez savoir. Oui. Que ce soit par la perception amicale, par l'intimidation ou par la force. Donc, c'est-à-dire, peu importe la manière dont tu le fais. D'accord, donc il n'y a pas de la carte. Voilà. Ah, oh, bah go, hein. Dis-nous tout. Pose la carte. Oh putain, enfoiré. En fait, j'essaye de réfléchir à une manière de Dieu, c'est juste que, bah. Que ce soit cohérent avec le fait du non, je parlerai jamais, il s'est fait interroger et tout, et puis t'as un papé qui arrive et dit écoute, maintenant tu vas tout nous dire. Bon, d'accord. Le truc, c'est vraiment. Voilà, Silver, il dit pas trop grand chose. J'imagine trop. Le soldat dépité derrière. Non, j'imagine trop Wood qui arrive en mode écoute-moi bien, gamin. Dans ma vie, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. C'est pas toi qui me fais peur, c'est genre. Voilà. Super monologue. Non, plutôt que d'un truc d'intimidation, ce serait un truc du. Oui, vas-y.
Et après, genre, et tu vois, ce gars-là, il montre Silver, il sera moins commode que moi. Voilà. Silver qui dit rien et qui bouge pas pour essayer de pas casser le mythe. Désolée, j'imagine un truc trop épique dans ma tête, puis il met la lumière dans la gueule. Bon, allez, j'arrête. Bref, du coup, vas-y. Et du coup, je pensais plus à un... Du coup, pour être plus léger, je pense à un truc du genre... que... il a encore une chance de pas forcément se racheter, mais faire en sorte qu'il passe pas le reste de ses jours en prison pour avoir... ou même... été un truc là. Ou même être exécuté, parce que s'il réussit, par ses informations, à faire en sorte que ça s'arrête, ou au moins que ça soit aidé... pour pouvoir arrêter ça le plus tôt possible, ça sera retenu pendant le tribunal. C'est genre comme quand t'as la mafia et que tu fais parler quelqu'un pour faire tomber le reste et que du coup il a une peine moins grande, etc. Un truc dans ce genre-là qu'il essaye de lui expliquer. Donc essaye de réfléchir bien. Est-ce que t'as vraiment envie de juste laisser le fait que tu n'aimes pas des gens faire en sorte que t'as envie de passer le reste de tes jours en prison ou de mourir en laissant d'autres personnes qui sont juste des dégénérés pose la tuer carte. D'autres personnes. Et là, je me trompe et je pose l'autre. Ah ! Pose la carte dessus. Et puis, après avoir dit ça, il est en train de réfléchir, il me regarde et je prends doucement une carte dans ma poche et je lui lance dessus comme la tranche de fromage sur le chat. Ok, le personnage que vous interrogez vous dit tout ce que vous voulez savoir. Tu lances la carte. Il restera silencieux un moment. Je m'appelle Marblewood, Ouve. Mon nom de code, c'est Slate Summer. J'étais chef de cérémonie comme trois autres de mes confrères. On était en train d'en chercher un quatrième, mais il s'est fait arrêter entre-temps. On porte les noms des anciens veilleurs de l'ancien temps. C'est un nom de code. Pourquoi ? Toujours, j'en sais rien, moi, faudra demander à notre chef, mais il est pas là. C'est une idée du chef. Vous connaissez qui est le chef ? J'en sais rien, je sais juste que son nom de code c'est Star Sword, forcément. Ouais, bien sûr. Nous on reçoit cette directive par lettre. D'accord. Et il n'y a aucune indication d'où vient la lettre ? Il est malin, c'est pour ça le chef. Le tampon d'expédition varie toujours. D'accord. Des fois elles sont postées à Liminon, des fois à Canterlot, des fois à Stalingrad. Ça fait combien de temps, en tout et pour tout ? Ça fait déjà plusieurs années qu'on est en train de monter cette agence, mais ça fait depuis qu'il y a le problème avec les princesses qu'on a décidé vraiment de se lancer. De passer à l'acte. Oh non. Sale merde. Heureusement que je suis pas là, hein. Et ça vous dérange pas d'attaquer des gens innocents comme ça ? Je pense pas que s'il le fasse, il en soit triste. Eh oui, mais c'est... Silver, lui, ça le hérisse comme pas possible. Il s'énerve un peu en mode... Un monde sans magie sera un monde beaucoup plus équilibré. Bah du coup... Vous auriez pu aussi en parler, essayer de trouver un moyen d'expliquer, de prouver que c'est censé ne pas être dangereux, sauf que vous avez choisi une manière simple et débile, et du coup vous aliénez le reste du monde. Si ça se trouve, vous auriez pu trouver un moyen de montrer que effectivement c'est possible un monde sans magie, autrement que la manière forte, en montrant réellement les dangers que ça pourrait avoir, mais... Vous avez décidé de faire ça de manière terroriste, donc j'ai plus l'impression que vous vouliez une excuse pour faire le mal. Non, mais nous savons très bien que de manière douce, ça aurait pris trop de temps, personne ne nous aurait pris au sérieux. Vous avez essayé ? Bien évidemment. M'étonnerait. À moi, en tout cas. Ouais, pas vous, quoi. Donc vous réfléchissez bien, vous croyez vraiment que ça marcherait ? D'essayer de convaincre une licorne, bonjour, ça serait bien si vous aviez pu votre magie.
Non, mais déjà, le truc de base trouver de dire que c'est un monde sans magie... Monde sans magie, genre, ça voudrait dire que... moi même les terrestres, on a de la magie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les gars, je peux plus marcher. Mais vous êtes franchement débiles. Vous savez très bien que je parle pas de ce genre de magie. Oui, parce que oui, je savais très bien que je parle pas de ce genre de magie, mais... Après, c'est vert pomme et pomme vert. C'est trouver des excuses pour trouver des excuses, ça, jeune homme. Vous pouvez tourner ça de manière comme vous voulez. Faut vous rendre compte qu'on vous a dupé un jour. Il a fait pfff, mais vous avez pas entendu. Ah. Ouais. Connard. Oh, pardon, ah oui, non, mais Silver, il se retient là, mais il a envie de le goumer là. Quoi qu'il en soit, je pense que vous allez réussir une partie de votre objectif, mettre fin à ces cérémonies. Et à quoi bon vouloir faire ça de manière... D'ailleurs, juste un truc que je comprends pas. Ok, imaginons, il est impossible de vivre autrement que dans un monde sans magie. Ça sert à quoi de vouloir absolument à ce point les faire souffrir? Les mettre en mascarade, se donner en spectacle, vous pourriez juste les tuer, et c'est tout, plutôt que de vouloir absolument les faire souffrir. Ces gens, ils vous ont rien fait, à ce que je sache. Ils sont nés comme ça, ils n'ont pas choisi. C'est politique, c'est pour faire passer un message, pour tous ceux qui, justement, pensent comme nous, et qui, justement, pourront nous rejoindre par... Oui, encore une fois, une excuse, quoi. Vous avez beau être âgé, vous ne comprenez rien. Si, j'ai juste compris, c'est qu'en fait, vous êtes juste complètement con, en fait. Parce que faire un truc pareil, peut-être que d'autres cons vont se dire « Ah oui, trop bien, il y a des gens qui pensent comme moi. » Mais vous pensez que ça va faire quoi en particulier? C'est tous les gens qui vont se dire « Mais ils sont complètement fous, ces gens-là. » Est-ce que vous pensez qu'on vient vous dire ça du jour au lendemain? On va se dire « Ah oui, cette personne, je trouve que c'est une personne sensée. Son objectif fait sens. Je pense que j'ai envie de l'écouter. Après tout, aller à capturer des gens, leur couper la corne, les brûler et les tuer, ça m'a l'air d'être une chose raisonnable. J'ai envie d'en savoir plus. » Vous recrutez? Ça a marché, vous vous rendez compte qu'ils avaient aucun sens? Bah oui, parce que vous avez récupéré d'autres cons. Donc forcément. Forcément que ça a marché. Encore une fois, vous avez choisi l'option de la facilité. Parce que vous êtes trop con pour essayer de faire un truc qui fonctionne. Silver est en train de... Moi, j'ai besoin, parce que je suis pas sorti de chez moi pendant près de plus de 70 ans. Je suis pas sorti de chez moi. À aucun moment, il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer... d'être aussi con que ça. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai jamais été con de ne pas être sorti de chez moi, parce qu'il y a des gens qui, en pouvant rencontrer le monde extérieur... sont même pas capables de se rendre compte que c'est la diversité et la magie et tout le reste qui font que tout est exceptionnel, et eux, ils vont vouloir enlever ça à ce monde. Parce qu'ils sont juste jaloux, en fait. Vous ça ressemble juste à un gamin qui est complètement jaloux de pas pouvoir faire la même chose que le voisin. Bah yeah, vous avez terminé? Bah non. Parce que vous allez juste finir au bout d'une corde, j'ai l'impression, un jour ou l'autre, malheureusement. Je suis même pas fâché, je suis juste déçu. Silver, lui, par contre, il est vraiment en rogne et il est en train de grincer des dents, mais genre de manière très audible. Alors du coup, tu te fais mal. Et donc du coup, comme je disais, les cérémonies, c'est terminé maintenant. On va pouvoir passer à la phase 2 du plan. Juste les exécutions. Trouver un cerveau. C'est quoi la phase 2 du plan? Je viens de le dire, t'écoutes ou bien? Il a dit juste les exécuter. Super. C'est marrant, ils auraient fait ça dès le début, ça aurait peut-être été plus difficile de les trouver. Ouais, sauf que... L'envie de se paraître, incroyable. Ouais, sauf que là, maintenant, on sait pas si on a arrêté beaucoup ou juste un tout petit peu. Ça risque d'être compliqué.
Moi, je sens que le boss, à la fin, c'est un licorne. Tellement. Oui. Qui veut le pouvoir pour lui tout seul, c'est sûr. Un truc du genre, bah oui, les alicornes, elles sont devenues dingues, donc c'est l'excuse pour pouvoir lancer le plan et utiliser tous des imbéciles comme le gars-là. Parce que même les racistes, ils ont plus... C'est dingue, j'arrête pas de me dire, même les racistes, ils font plus de sens, limite. Parce que là, ça fait strictement aucun sens. Non, mais... Vous en avez d'autres, des questions ? Non mais sérieusement, est-ce que vous avez des informations utiles à nous donner? Genre vos plans, que ce genre de choses, vous devez bien connaître quelques infos. On n'a pas vraiment de plan en soi. Ou tout simplement, vous nous la cachez. Non, on n'a pas de plan. On vit tous chacun chez soi, tranquille, à recevoir nos lettres. C'est vous. Il te donnera son adresse, tu pourras prendre le café à telle heure, il n'y a pas de problème. J'aurais tellement voulu jouer autre chose que Woodcutter, jouer un personnage comme le personnage de JDG. Vous avez une famille? Ben oui, tiens d'ailleurs, vous en avez pas de famille? Non. Dommage. Et je suppose que c'est pour ça que vous êtes en colère contre les licornes? Non. Je trouve juste leur combat logique. Donc en fait... Non, laisse. On a un cerveau trop développé pour essayer de comprendre. Mais arrête, c'est pas en te posant en supérieur que t'auras des réponses, en fait. Hein. Non, il est juste énervé, il a besoin de s'énerver. Bah, c'est comme ça qu'on fait un... Silver, il est énervé et confus. Il comprend pas comment des gens ils peuvent arriver à ce point-là, quoi. Mais bon. Et si l'autre il a plus rien à dire, Silver il va sortir et puis c'est tout ce qu'il va faire. Il essaie même pas d'argumenter ou quoi avec le type. Et du coup, on sortira et puis on donnera toutes les infos. C'est tout ce que vous lui posez comme question. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on lui pose? On lui a demandé où est-ce qu'il... On peut lui demander les lieux de réunion, s'il les connaît d'avance. Pose toujours, ça ne change jamais. Bah, justement... Ouais. Est-ce que vous connaissez les lieux de réunion à l'avance ou pas? Nous avons deux lieux de réunion, disons, supposés pour le moment, qui ont été prévus, mais on n'a pas encore de date. Et de toute façon, elles vont être annulées, je pense, avec ce qui se passe. Je pensais à une question. Est-ce que vous connaissez Monsieur Quart? Mais non. Ça fait aucun sens. De toute façon, ils n'ont pas les noms. Oui, je sais, ils n'ont pas les noms, mais imagine. Ah oui, c'est avec lui que j'ai été. Mais imagine. Il y a... Donc, comme je disais, il y avait deux lieux de réunion supposés, mais à mon avis, ça va être annulé et on va juste passer à la phase 2 pour les exécuter. Mais si vous êtes toujours curieux, ils étaient censés se passer dans une forêt proche de Rollertz et l'autre proche de Graveltown. Quoi ? Forcément. Pardon ? Le bon Dylan. Silver, il balance un sabot sur la table, là, de toute sa force. Et vous a rien fait, cette table. C'est de l'intimidation, je lance pas de jet. Bah, en soi, il vous dit déjà tout, donc il va peut-être sursauter, effectivement. Genre, wow. Elle fait quand même ton jet. Ouais.
Bah écoute, je vais faire un jet d'intimidation parce que là en fait, c'est... Même s'il connaît pas grand monde dans sa ville natale, il connaît quand même des gens, quoi. Ouais, yes. Alors, le dé, hop là. Oh bah, il te dira, vous a rien fait cette table. Avec un petit sourire narquois. Et les licornes, vous avez rien fait. Comme quoi, on est plus proches les uns des autres. On est plus, on se ressemble plus qu'on ne le pense. Silver, il se retient de sauter sur lui et de l'attaquer. Avec une veine qui palpite sur le cou. Et la lieutenante derrière qui te dira « Calmez-vous !» Alors, arrêtez de frapper les tables. Non, c'est un qui dit d'arrêter de se faire taper. Il menace ma ville natale. Mais t'as pas de licorne dans ta famille. Il l'a pas menacé ta ville natale, il dit juste qu'il y a des trucs là-bas. Bah oui, mais là, bon... Il y en a un roller, au moins licornes, on sait ça, donc il va falloir y aller. Les licornes, il y en a forcément partout, hein. Je veux pas qu'on l'écrive dans le chat de... Ouais. Si tu veux, ouais, attends. Vas-y. Je suis désolée, je parlais à Lucky. Pas de soucis. Mais du coup, Silver, il va sortir de la salle parce que il en peut plus du type et qu'il va le frapper sinon. Bah de toute façon, les gardes sont au courant, ils vont pouvoir envoyer des gens à Gravelton. Hein. C'est ça. Oui. Il va dire des. Les rollers, toi aussi, il faut. C'était quand les dates précises? Il n'y avait pas de date. Ouais, mais on peut toujours surveiller les zones, quoi. Qui est déjà pas mal. On indique tout aux gardes, et puis... Donc le lieutenant, du coup, aura déjà tout pris note, pas la peine de tout dire. J'ai tout écouté, je vais en informer mon général. Merci. Ou les supérieurs, d'ailleurs, on sait jamais. Si besoin, si vous envoyez des... Le général est une licorne. Donc. Si vous envoyez des gens à Gravelton... Vous pouvez demander des informations à mon père et mon grand-père à la forge. Ils vous donneront, si jamais il y a besoin, ils vous donneront des informations fiables s'il y a des gens un peu inconnus qui sont passés. Prends note, mais sachez que si ce ne sont pas des licornes, ils risquent d'être des potentiels suspects. Mmh. C'est sûr, mais bon. À partir de maintenant, on va surveiller tout ce qui n'est pas licorne. Au cas où. Je comprends. Silver, nous sommes une menace. Et Silver, il va juste repartir. Ça l'a bien foutu le bourdon, en fait, d'avoir encore un type qui, comme ça, il en a juste rien à foutre des gens, quoi. Et pour lui, si on est une licorne, ben, on vaut pas. On vaut pas de rester en vie. Il déchante un peu, en fait. Et vous allez pouvoir retourner avec les autres. Mes lettres sont arrivées, c'est bon ? Je pense qu'entre-temps, ouais, bon, elles vont être arrivées. Et j'ai eu le temps de les lire avec Fizzle, du coup. On leur demandera aussi pourquoi elles n'ont pas été envoyées, enfin... Oui.
Ah oui, du coup, il y a la cité del sol. Adresse trop récente, on connaissait pas les lieux. Bah, vous auriez quand même pu y aller, il a quand même envoyé une lettre par an pendant 5 ans. Alors, on a bien mené des enquêtes, mais on les avait pas trouvées pour nous, c'était des canulars en fait. Mais on va prendre note et faire en sorte que, effectivement, on puisse. Le canular, effectivement. Super. Et vous auriez pas pu les mettre à Pharmarène ? Ou renvoyer à l'envoyeur ? Il avait pas laissé d'adresse d'expédition, et puis. Mais vu qu'il venait une fois par an, et avec la même adresse. Il avait pas d'adresse, il avait pas d'adresse d'expédition, donc on n'a pas pu lui renvoyer. Quel compte ce ouf, ce côté. Mais c'était un aventurier, il était jamais chez lui, cela dit. Il était à la guilde, donc si techniquement voilà. Il aurait pu. Donc oui, il est con. Ah, pour le coup. Super. La poste a été con, l'expéditeur a été con. Bah, la poste est pas encore tout à fait au point. Bah, ça se voit. Bah, c'est le début. On est vraiment au tout début. Hein. Ah oui, je sais. C'est ce que je dis. Ça se voit, du coup. Bah, merci quand même. Du coup, vous arrivez, Wood et Silver. Bah, vous arrivez pendant que vous sortez, vous. Enfin, si vous sortez. Bah, on va rejoindre les filles. Silver, il est énervé et triste à la fois. Parce qu'il a fait un gros câlin à Fizzle. Pat. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Tout va bien. On se fait un câlin entre filles, t'es jaloux ? T'en veux un non. câlin ? Non, mais là il est énervé. Il a la gueule vraiment des mauvais jours. Hein. C'est. Nah. Il est à la fois triste et en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors encore la logique immuable des fameux anti-licornes. Moi je comprends pas. Mais justement, on peut pas comprendre. Je non plus ne comprends pas. Hein, c'est. Ah oui, mais bon. J'ai du mal à vraiment contre-argumenter parce que vous êtes logique. Oh, c'est vrai. Bah moi aussi, non, c'était compliqué quand je jouais le raciste. Hein. Non, mais le truc, c'est vraiment. C'est vrai, le truc, c'est que Silver, en fait, lui, toute sa vie, c'est voilà, c'est l'harmonie entre les races, c'est ce qui a permis Equestria, tout ça. Et là, t'as les mecs qui disent complètement le contraire. Ça va tellement à l'encontre de son mode de pensée que. Genre, il peut pas. Bon. Et vous avez trouvé les lettres, du coup ? Oui, on nous les a... On les a reçues, oui. Du coup, Skoula a pu les lire ? Oui. Bon, et si on retrouvait Jade et Garnett et... Justement, je me suis dit, où est-ce qu'elles sont, elles se... Je vais aux toilettes, vite fait, je reviens. Et puis, il est parti. Ah il est parti. Ils sont partis dans les couloirs. Dans les couloirs du temps. Mais... Alors voilà, ça c'est le premier film était très bien, les autres sont pas super. Le 2 ça va. Les visiteurs. Le 2 ça va. Et avec le magnifique Jean Reno dedans. Voilà. Oui, girls. On sait que tu l'aimes et que tu es amoureux. Non, mais quel sale fanboy, lui. Cassez-vous. Je m'en fous. Je sais, je suis un fanboy. Et alors ? Il est pas beau, hein. Mais c'est pas une question de beau, c'est juste que j'aime bien... J'aime bien comment il joue et... Enfin, le mec, il est... Voilà, c'est un grand acteur. Voilà. Mais... Ça suffit. Mais arrêtez. Mais assumer ta semi-homosexualité envers Jean Reno, Gals. Quoi ? Parce qu'il ressemble à un cheval. Mais arrêtez ! Mais genre... Et voilà comment briller le Galzou. Ça, c'est... Ça suffit. Une bonne chose de fait. Il suffit. Redémarrer. Alors, quoi faites-vous ?
Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Oui, ce coup-là, si vous l'observez bien, elle a l'air un peu triste quand même. Ça va, ce coup-là? Ouais, ouais. Ça a pas l'air. Merci. T'es sûr? Et si on se bougeait? Il faudra retrouver. L'Oralie. Notre deux compagnons de voyage. Aussi. Oui, et essayer de retrouver Flora, peut-être. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir la vieille? Bah, on a déjà tout... Je pense pas qu'elle sache grand-chose. Je pense qu'elle nous a tout dit et que sa fille est juste partie. Après, si elle est partie en direction de Wimborne... ou de Stalingrad, on peut peut-être demander aux portes de la ville. Attendez, Bah en fait, il n'y a qu'une seule sortie de Canterlot. Bah oui, attendez, voilà. Il faut que je teste un truc. Ouais, mais c'est-à-dire que si on questionne pas, tu peux pas savoir où vont les gens. On est bien à l'extérieur. Là, on est à l'extérieur du bureau de poste, on est d'accord? Ouais. Je vais tenter un sort d'illusion, à nouveau. Je vais tenter un truc, c'est juste une petite expérience. Sans illusion sur moi-même. Je veux enlever ma corne et me rajouter des ailes. Non, ça il va te falloir des. C'est une illusion. Que... C'est pas un changement de. C'est pas un changement, c'est juste une illusion. Ouais. Je tentais de faire ça. Bah quoique retirer c'est. Ah. J'aurais plus été dans l'optique de ajouter mais pas retirer. Attends, je vais vérifier. C'est compliqué. Créer des choses à partir du néant, même si ce n'est pas réel, permet de créer visuellement une scène ou une réplique la plupart des choses. Ouais, donc tu ne retireras pas ta corne. Après, tu te fais passer pour une alicorne et puis ça passe, hein. Non, ouais, parce que je voulais me faire passer pour un Pégase, justement. Mais après, pour ça, t'as le sort déguisement qui aurait été vachement plus rentable parce que là, ça va te durer 30 secondes. Déguisement te dire 10 minutes. Oui, bonjour, j'ai envoyé de la 32. Ouais, mais c'est 5 et pour chaque PP, c'est à nouveau 30 secondes, vu que j'ai 15 PP. Et déguisement coûte moins cher en plus. Ouais, mais 7 minutes, ça passe en vrai. Hein. 7 minutes, c'est bien assez pour une petite conversation. Pardon, excusez-moi. Pas de soucis. Donc, non, tu ne te retireras pas ta corne. D'accord. Corne en clips. Bah, du coup, elle est Stera, et bon, il y aura. Enfin, j'ai au moins lancé le jet pour tenter. Non, mais ce sera. Elle aura tenté. Il y aura des ailes qui apparaîtront sur elle. Elle arrivera à les faire bouger avec son illusion, mais. Sa corne restera toujours là. Bien essayé. J'ai essayé un truc. Mais tu peux te mettre un chapeau! Les gens, s'ils voient des ailes et qu'ils voient un chapeau, ils vont pas se questionner, c'est un Pégase. C'est vrai. Dis-moi. C'est vrai que je peux tenter ça. Le chapeau énorme de Conrad Dead. On peut tenter ça, hein? Ouais. Ça me semble que ce soit... Bon, t'aurais bien un chapeau, puis voilà. Allez, vas-y. Mais on peut, je peux aussi tenter ça. Mais le pire, c'est vu que c'est sur un cercle techniquement, je peux créer une illusion de deux paires d'ailes.
Donc deux personnes. Tant que ça reste dans le gabarit. Ouais. Oui, tant que ça reste dans le gabarit. Ouais, mais du coup, il faut pas que ce soit moi ou... Non, mais... Je regarde... Je regarde ce coup-là. Mmh. Je crois que je peux tenter quelque chose. Je pense que si, tant qu'on reste assez proche, je pense que ça peut marcher. Faut juste mettre chapeau. C'est surtout qu'il faut que ça reste dans une zone. Oui. Tant qu'on reste assez proche, oui. C'est pas plutôt faut rester dans la zone où t'as fait le sort ? Oui, c'est ça que je dis. Ah, merde. Non, c'est juste que l'illusion peut pas être plus grande qu'un gabarit moyen. Mais sinon, elle peut se déplacer. Oui, bah elle peut se déplacer, mais... Ouais. Huit mètres de diamètre, ça va, tant que la maison, elle est pas si grande que ça. On peut tenter, hein. J'essaie de la faire parler. Ça m'a coûté 3 défis. Vous avez le moyen de vous faire parler ? Y'a. Exactement. Ça m'aura coûté 3 pp. Non, par contre, faudra qu'on reste assez proche. J'ai pas encore pu tester complètement la... Si, j'ai un peu... T'es sûr que tu veux tester maintenant ? Parce que si on grille la cartouche, c'est mort. Tu veux pas y aller seul ? Ouais, je peux essayer. Parce que si jamais on rate, on n'aura plus de chance. Hein. Mm-hmm. Bon. Non, je vais essayer. Faut juste que je trouve un chapeau assez grand. Et illusion, con. Illusion de chapeau. Par contre, c'est vrai, le chapeau est noir, mais il y a une feuille ou un truc qui passe dedans, ça ferait bizarre. Bon, oui, je suis bête. Bon, ben... Alors, attends, comment... Ça va être quoi le scénario ? Ah ben j'ai qu'à dire que j'ai entendu dire ouais. Allez, on va y aller comme ça. Donc j'y vais. Tu vas seul du coup? Ouais, je vais y aller seul. Je vous mets quand même sur la map tous. Mais là, mais de manière immatérielle. Lance-moi un dessin pour savoir. Non, attends, non, pas un dessin, hein. La taille du chapeau. Hein. Non. Lance-moi un D3. Un D4, pardon. C'est pour la taille du chapeau, allez. Non, c'est pas pour ça. Un D4. Ok, un dessin maintenant, s'il te plaît. Les autres, plus ou moins ? Plus. Plus. Yes. Nice. Non, tu vas pas aimer. Ah merde. Ok. Y'a rien à l'intérieur. Ah. Donc je t'en prie, hein, vas-y. Bon, quand j'arrive assez proche, je vérifie déjà qu'elle est pas aux fenêtres ou. Enfin, même juste avant d'arriver, je vais lancer le sort comme ça. J'aurais récupéré mes pépés ou pas ? Bah non. Ouais, ça fait moins d'une heure. Bon ben... En gros, il te reste 10 pp, c'est ça ? Non, là, il me reste 12. 12 ? Comment ouais. Ça se fait 12 ? Ah oui, c'est point de pouvoir 3, j'ai cru que c'était 5, ouais, ok. Non, c'est 3. 30 secondes, plus 30 x 7.
Ouais, je vais pas mettre de puissance. Donc ça fait 8, ça va te faire 4 minutes. J'ai très envie. Non, je vais claquer un béni. Ça change rien en cas de prouesse. Si, j'ai détecté à moi 2. En cas de doute de l'illusion. L'illusion est plus puissante. J'ai pas envie de claquer des PP pour ça. Donc je retente. Ben voilà. Ok. Donc vas-y, je t'en prie. Ok. Donc je crée l'illusion d'un chapeau d'aventurier assez grand pour cacher la corne. Ainsi que d'elle. Vas-y. Donc j'arrive, je toque. Donc la porte s'entrouvrira et ça laissera passer la tête de cette petite. Bonjour. Bonjour. Ah mais vous êtes Madame Fizzol. Ouah, c'est trop bien cette paire d'ailes. Je lui fais le symbole, je lui fais le signe de chute. Alors persuasion. Ouais, d'accord, je comprends pourquoi tu disais merde, parce qu'il va y avoir les gosses. Je relance. Salaud. Il te reste ta conviction. Ok. Tu peux dire à tes frères et sœurs de ne pas faire de remarques dessus, s'il te plaît, aussi. Oh, d'accord. Et vous voulez quoi ? J'aimerais bien parler à ta grand-mère par rapport à... Tu pourrais juste lui demander si il sait où est partie sa maman. Et est-ce que tu saurais où est partie ta maman ? Elle est partie à l'aventure, elle est en train de régler un petit contrat dans Voyageur. Oh bah non, je sais pas. C'est pas la ville ? Non. On m'a dit qu'elle aurait su au moment du départ, mais elle reviendra. Elle s'arrange quand même pour prendre des contrats pas trop loin. Si c'était trop loin, elle serait revenue. Et est-ce que tu sais qui lui a donné ce contrat ? Bah non. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait savoir où est-ce qu'elle est partie ? Bah non, je crois pas. Elle a rien dit à un de vos parents, un de vos grands-parents, rien à personne d'autre. Madame, t'es bête. Oui, un de vos grands-parents. Je viens tout juste de te dire qu'elle savait pas où elle allait avant de. Enfin, voilà. Ébui par un enfant. En même temps. Faut écouter un petit peu, hein. Il répète 10 fois la même question. C'est juste que j'aimerais bien la retrouver. Et ils sont où les autres ? Non, les autres, ils sont occupés. Ils sont cachés. Tout à l'heure, il y avait Monsieur Wood et Silver qui sont passés. Ils sont passés un sale quart d'heure avec grand-mère Foliage. Ouais, ils nous ont raconté. C'est pour ça, les ailes.
Elle lâche la tête. Oui, elle a du mal avec les autres races. Mais nous, elle nous aime bien. C'est ce que j'ai cru comprendre. Tu parles à qui ? Pégase. À une Pégase gentille. Oh bah ça va alors. Elle veut pas prendre le thé ? Ça fait combien de temps, Ren ? Ça doit faire 1-2 minutes à peu près. Rapidement. J'ai pas trop. Putain. Mais non, mais. Mauvaise idée. Mais c'est la grand-mère. Bien sûr qu'elle va te tenir la trajet pendant 15 ans. Bon bah, vas-y, rentre. Hein. C'est une des madames qui a aidé. Qui a essayé d'aider maman pour retrouver papa. Ah, bonjour vous. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah mais non, Michel, non. Installez-vous, je vais vous réchauffer une petite. Il faut chauffer un peu d'eau. Franchement, j'ai pas trop de temps devant moi. Je suis occupé. J'ai pas mal de. Mais si, y a pas de problème. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler à un congénère. Après, elle va tellement de goût. La raciste. Elle va tellement. Chef, sérieusement. La raciste en chef, c'est pas possible. Les autres, s'il vous plaît, laissez-le dans sa merde. Non, vraiment, je vous assure. Je fais. T'as quand même. Mais si, installez-vous. Comment ce qui arrive à Fizzle? Vous savez, j'ai vécu beaucoup de choses de mon vivant, hein. Oui. Je vais me renverser de l'eau, moi. Ah, mais. Je venais pour essayer de je voulais parler à votre fille. Bah elle est pas là. Elle est partie faire une mission d'escorte. Là on sait pas où elle est partie. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'elle reviendra bientôt puisqu'elle elle a dit qu'elle partirait pas très loin. Donc si elle voyait que ça partait trop loin, hop, elle reviendra. Elle avait songé à aller à Wimborne, mais ça fait quand même des trottes. Mmh, je vois. Il faut bien qu'elle nourrisse ses petits loulous. Mais installez-vous, je vous dis. Tenez, elle te tend une tasse. Allez, salut, Pizzle, on t'aimait bien. Pardon. Et puis une fois qu'elle aura terminé ses petites missions et qu'elle aura un peu d'argent, elle pourra se permettre de payer une babysitter. Moi j'étais bien à Klaus Dell, au moins on se fait pas emmerder par toutes ces autres races là. Ah, je vous en dis pas. Que des malheurs. Hein. Pourquoi ça? Pourquoi c'était... Parce que nous Pégase sommes supérieurs, tout le monde le sait. Vous devriez le savoir aussi. Ah, sans nous, là, ces pauvres terrestres, ils seraient encore à galérer à devoir arroser leur petit champ, là. Oh la vache. Oui, mais c'est eux qui nous... Ouais, bah chacun a sa place. Hein. Chacun a sa place, tout le monde sera bien gardé. Hein. Oui, bah, voilà. Oui, madame, c'est bien. Allez, venez manger votre compote. Vous savez, de mon temps, c'était pas vraiment évident. Hein. Et même savez... nous, les Pégases, on devait faire du travail de terrestre. Hein. Du travail d'armée. Et vous savez qui est la personne qui aurait engagé votre fille? Oh, j'en sais foutre rien, moi. Elle gère ses affaires, c'est une grande fille. Ah, vous savez, elle a maintenant 29 ans et 5 merveilleux enfants. Bon, c'est dommage qu'elle soit sortie avec un licorne, mais bon, l'amour a ses raisons que les raisons ignorent. Je suis quand même un peu triste pour elle, hein, ça avait l'air d'être un gentil gaillard, mais bon, ça aurait été mieux Pégase quand même. L'espèce de salope. Écoute, ça pourrait être pire, elle aurait pu dire « Ah, je suis content qu'il est mort ». Comme ça, elle pourra s'en trouver un Pégase. Il y en a qui sont comme ça. Hein. Oui, non, mais elle pense avant tout au bonheur de sa fille. Je vois. Tic, tac,
Ils sont bien, ils sont complètement perdus dans le truc. Non mais arrêtez s'il vous plaît, bordel de cul, arrêtez. Je me déconcentre. Mais il y a rien à concentrer. Tu sens que tu as dépensé tes derniers souffles de magie, il te reste plus que 30 secondes. D'accord. Installez-vous, je vous en prie. Vraiment, j'ai pas le temps, le devoir m'appelle. Elle engloutit sa tasse de thé, elle la... Tu te brûles ! Bats les couilles ! Bats les couilles ! Il y a pas un jet de contrôle pour que le chapeau tombe. Tu vas me faire un jet d'âme quand même à moins 4, parce que boire cul sec du thé presque brûlant, et tu me suivras... L'effet, c'est pas facile. À moins 4 ? Ouais. Jet d'âme et jet de vigueur à moins 4. Oh ! Oh ! Quel PG! Il a mal la tasse! Oh ah, c'est quel beau! Femme, épouse-moi! Il prend la tasse et il la mange! Moi, j'avais un rarity! Merci pour ce thé! Elle a mis le sachet de thé dans sa bouche et elle a versé l'eau de la bouillon dedans! Merci pour le thé! Il était très bon, mais je dois y aller, je suis vraiment désolé! Oh, c'est dommage! Et pensez à passer nous voir de temps en temps, ça fait toujours plaisir de parler à un Pégase. Je pourrais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu... Vous savez que j'ai vécu... Elle se barre. J'aurais juste pu gueuler, excusez-moi, j'ai mes règles, tu te barres. Non. Mais après, mamie, c'est quoi les règles? Et elle se barre. De sorte à être hors de champ de vision. Je te montre la scène. Alors, malgré ton jet de vigueur, par contre, tu as super chaud à l'intérieur de toi. Tu as ta gorge en feu. Oui, je sais. Je t'offre un béni pour ça. Merci, je prends de l'eau. Je bois. Alors, j'ai ma bouteille, j'ai ma gourde d'eau. Ben, c'est plus qu'une gourde. Est-ce que je peux la soigner? Vous la voyez se détransformer, enfin, son illusion qui pouf au moment où elle, vraiment, à la seconde où elle sort de la porte. Ah, moi je l'entraîne plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es rentré? Chercher plus d'informations avec la grand-mère, mais elle en sait pas plus. Ça va? Qu'est-ce que t'as fait? Et si tu avalais cul sec une tasse de thé? Ma cale conconne. Bon, je vais te soigner, hein. Ça va, ça va. Tire la langue! Elle prend sa gourde et elle la bourre. Faut pas boire de l'eau, faut boire du lait. Tiens, je te soigne. Quand tu t'es brûlé. Merci. Non, c'est surtout avec le piment, le lait. Ouais. Oui. Ça va mieux? Merci. Eh, ça va. Ça va mieux. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Attends, je pense à la fois où on va un jour revenir. Mais vous étiez pas Pégase la dernière fois? Non. Allez, on se casse. Non. Allez, on s'en va. Mais j'imagine la gamina, c'était quand même. Elle est gentille, cette licorne. Comment ça, une licorne? Et pourquoi je pars comme ce coup-là? Je déteins. Que d'ailleurs, en parlant d'eau, je vais me chercher une bouteille d'eau, je reviens. Une affaire rondement menée. Bah, je savais bien que quelqu'un allait rajouter. Oh non, mais c'est... La mamie. Insupportable. Ah, oh, génial. Insupportable. Je vous aurais raconté la fois où j'ai vécu, à mon époque, à mon enfance, où j'ai vécu pendant l'hiver éternel. C'est même pas vrai. Ah si. Bah, elle a pas 110 ans. Peut-être bien que si. Alors, mais elle peut pas... Elle a peut-être été dans un bouquin. Hein. Elle a été dans un bouquin et on le sait pas. C'est un PNJ qu'on connaissait. Hein. Bah, c'est un PNJ que seul Lucky a croisé en fait dans Last Winter. Jeune du coup. Ouais. De quoi? Qui ça? La grand-mère Foliage, tu l'avais croisée quand elle était jeune.
dans Last Winter avec Zima. Non mais attends, mais ça veut dire qu'elle connaissait avant l'hiver éternel aussi. Oui. Ouais, donc. Non, avant non, faut pas non, déconner. Pas elle vient de me dire, elle a dit elle-même, je connaissais le temps où on était à Cloudsdale et tout ça avant. Bah non, là elle était à Cloudsdale, mais. Même non, elle avait dit quand les Pégases et les terrestres sont séparés tout ça. Non, elle disait que qu'on devait faire un boulot terrestre, sous-entendu le. Quand les mecs ils étaient obligés bah, de bosser dur dans la terre parce que bah voilà il fallait bien se nourrir. C'est surtout ça je pense. Ah pour moi c'est ça quoi. Non, Aka elle connaissait l'époque avant l'unification des races. Exactement. Elle connaissait, elle était très jeune quand même quand il y avait avant les nouveaux territoires de. Mais en soi elle est née durant l'hiver éternel, ouais. Ouais. Mon dieu, quoi. Bon. Mais quelle espèce de raciste. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est pas partie loin. Bon, bah, j'espère, en tout cas. Parce que si elle aurait pas accepté une mission trop loin de Cantorla, trop loin de ses enfants, trop loin de sa famille. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? On rentre à Wimborne? Bah, je pense que c'est... Stalingrad, pardon. Je pense que... Voilà. Entrer à Stalingrad, ce serait peut-être le bon... Bah, vous avez envoyé... Enfin, vous avez... Du coup, je pars du principe que vous nous avez raconté tout ce qui s'était passé à l'intérieur. Du coup, ils ont dit qu'ils allaient envoyer des gardes à Graveltown et à Rollert. C'est ça? Ouais. D'accord. Vu le risque des deux côtés, mais enfin après il y a pas forcément de sûreté que c'est qui reviennent dans ces zones là quoi, mais bon au moins. Faudrait quand même aller vérifier nous-mêmes. Hein. Enfin, on pourrait partir à. On va quand même aller vérifier nous-mêmes. Vérifier quoi? Excusez-moi, j'ai pas... Les deux signalements de trucs. Les signalements de connards rouges. Je pense que les gardes vont s'en occuper. Hein. Bon. Ils iront pas moins vite que nous d'aller là-bas. Bah et oui, puis c'est leur métier. Et puis et de plus... toute façon, il faut qu'on amène Jade et Garnet à Stalingrad comme prévu. C'est vrai que c'est vrai qu'on avait ça. Bon, ben on y va. Hein. On va à Stalingrad alors. Donc, elles vont pas attendre qu'on traverse la moitié du pays. Ouais. Ok. Juste aux toilettes. Encore. C'est une blague parce qu'on a effectivement traversé la moitié du pays. On a fait. Peut-être qu'on peut arrêter après. Parce que je veux jouer à Red Dead. Ah bah d'accord. Oui bah excusez-moi, je viens de rentrer chez moi alors je veux tout faire. Ah bah alors. C'est comme ça. Et déjà on a une session alors qu'on ne fait pas la voir, vous allez pas vous plaindre. C'est vrai. C'était une très bonne session d'ailleurs. Et du coup, Ren voulait absolument nous montrer les Riot Wish. Les Riot Wish, mais c'est nul, on n'a pas parlé avec Sun et Flame. Ah, quelque chose me dit qu'on les reverra. Je suis en train de réfléchir un petit truc. Mais je suis con, j'aurais dû claquer la carte pour avoir un atout et j'aurais dû prendre l'atout concentration pour avoir la durée doublée. Putain. Réalisation de post-scène.
Rappelez-moi juste un truc par rapport à... aux licornes qu'avait rencontré Fizzle. C'est ton prof là, le connard. Vous l'aviez rencontré quand et c'était dans quel, à quelle période? Enfin, je me souviens plus. C'était avant, c'est avant qu'on aille voir les premiers. Qu'on aille tabasser les premiers libérateurs rouges et qu'on l'avait rencontré et qu'il avait récupéré là le. On rentrait de Graveltown jusqu'à. Ah oui, c'était au niveau de. Non, c'était pas au Fington, c'était où la première Si, on l'a. Lui, on l'a récupéré. C'était Liminon, c'était à Liminon. Et c'était dans la forêt de Liminon. Ok. Vous étiez là, vous avez fait tout un trajet comme. Vous avez fait un trajet jusqu'à Canterlot après, vous êtes passé par Huffington, il me semble. Donc, ouais, ça fait un bon moment, quoi. Ça veut dire. Liminon. Ouais. Fait Rollart, après... Fallait juste que je prenne en considération certaines choses. Stalingrad, après... Non, on a... après Stalingrad, on a fait Graveltown, marché... Graveltown encore, Canterlot, ouais, donc... Canterlot, et là, voilà. Ok. Et on va faire comme ça... Ok, donc c'est bon, je devrais... Ok. Du coup, ça fait combien de temps? Ça fait quelques semaines déjà qu'on Ça fait un bon mois que vous l'avez. Plus d'un mois même. Ok. Ok. Je fais juste. Bah, parfait. Prochaine fois qu'on retournera à Canterlot, faudra que j'aille parler au prof, justement. On va voir où est-ce qu'il en est. Vous voulez rire? J'ai pas lancé l'enregistrement. Oh merde. Hop, pour commencer. Non. Mais non, je blague. Ah bon. Mais imagine. Je voulais faire paniquer Oscar. Attends. J'allais t'insulter en mandarin. Donc, je vais au moins vous faire la partie du voyage vers Castalingrad et on arrêtera là-bas. Ah, ça veut dire qu'il va y avoir des trucs sur le chemin. Alors, hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les deux Mongols derrière. Les deux autres derrière vous. Avec vous. Merde, on trouve. Bon. On est d'accord que j'aurai récupéré tous mes pépés? Là, oui. Merde. Ah, on entendait un véhicule. Touchez-moi, désolé. On croyait que c'était dans Stories. Un 4x4 mais passe. Sur la map, du coup. Voilà. On avance vers le haut. Je vais lui mettre une petite lumière. Vous le verrez, il y a une grande lumière qui mènera de lui. Vous allez justement le croiser. Ah oui. Non. C'est le prof. On est où? M'attendez à Monsieur Quartz. Non, attends. Sylvain. Ah, toujours le grand reveal. Purple Sunset. Ah, Silver non plus. Hein, il l'a traité comme une espèce d'animaux de trait. Ouais. Silver ne l'aime pas beaucoup. Ah, tiens. Ah, bah tiens. Je pensais à vous, justement. Diesel Spark. Vous. Alors ça en est où de vos recherches? Un petit sourire en coin se dessine. Eh bien, je dois admettre que votre petit savoir était... Il se trouvait que votre petit savoir était
une des clés manquantes d'un de mes projets. Et finalement, pour m'avoir ouvert les yeux, je ne peux que m'excuser auprès de vous. Et... C'est pas lui. Et vous remercier de m'avoir permis d'avancer dans mon projet. Et du coup, vous allez vous approprier ces mérites ? Bien évidemment que non. Bah, y a intérêt, sinon on vous botte le train. Cordialement. Pour l'instant, c'est encore en phase de préparation. Oh, c'est lui. Pardon. C'est lui le leader. Attends, je fais une lecture de pensée. Puis-je savoir. Et là, il te dit ce coup-là, je t'aime. Oh, puis-je savoir quel est ce projet? Lui pose quoi comme. Ouf. Ah non, c'était ton sort de guérison. Je crois que tu avais lancé ton jet. Non, pas encore. En plus, j'avais fermé ma fiche comme une teubée. Merde, c'est intellect. Déjà, je me suis bourré de dés. Donc. Bien. Il s'agit d'un projet pour le moment. C'est quoi ta question? Attends, je vais relancer parce que c'est trop nul. Ah d'accord. J'utiliserais bien mon point de conviction, tiens. En attendant, il répondra à Fizzle. Un projet de pouvoir ramener des morts à la vie. Oh putain, ça pue. Y a une raison pour laquelle les morts sont doivent. Mais c'est la pire des idées en fait. Laisse les morts où ils sont. Putain, il veut ramener les bibliothécaires, ce con. Pourquoi vous voulez faire mais ça Pour faire avancer la science magique, bien évidemment. Je comprends effectivement que l'idée puisse en répugner plus d'un. C'est une question éthique, effectivement. Mais rien que de pouvoir avancer dans ce sens-là nous permettrait de mieux comprendre la magie et de pouvoir mieux l'exploiter. Non, mais enfin, après, il y a des limites. Il y a des limites. Hein. Faut peut-être pas déconner, là. Non, mais vous êtes sérieux? La science parfois fait mal. La science parfois tâche. Quelqu'un a la rêve du bibliothécaire? Quelqu'un connaît ça dans le groupe? Parce que ce coup-là, elle connaît pas trop. Mais si quelqu'un peut lui balancer que c'est un comportement de merde comme le bibliothécaire, foncez, hein, parce que ouais. Silver, il connaît un peu le. Bah, je t'en prie, fais-lui la main. Et en attendant, tu avais lancé ta lecture de pensée, donc je t'en prie, soit tu relances, soit tu poses ta question. Mais ça suffit ou pas? Techniquement, oui, il faut que je lance ton dé après. Ben, je me tâte. Pose ta question. Je pose ma question et puis si ça marche pas, je relancerai avec le point de conviction et tout le bordel. Du coup, la question, elle va un petit peu changer. Quel est le vrai but de ce projet, le but final, parce que faire avancer la science, on n'y croit pas trop. Il y a des trucs qui nous dit pas, tu vois. C'est quoi son but déjà? Ah ouais, c'est pas mal, hein. C'est quoi son but? Attends, je me souviens plus. Moi, je suis... L'amour. S'il vous plaît. Ouais. L'amour. Connard. C'est pas dans la merde. Alors, je sais pas trop quoi répondre exactement, et je suis en train de me demander que techniquement, tu avais lancé le sort avant qu'ils te disent la réponse, ce genre de truc, donc je vais te demander de poser la question avant que tu avais en tête. Ben, du coup, est-ce que c'est lui le maître des libérateurs rouges? C'est un nom. Et tu sauras qu'il cherche justement qu'il cherche également à les nuire, parce que c'est quand même des gros fils de pute de merde. Il fait l'inverse, en fait. Et il te dévisagera en disant
Vous savez, vous pouvez me poser des questions directement au lieu d'essayer de les, de les chercher vous-même. Non, parce que vous n'avez pas confiance. Mais pourquoi? En fait, je sais, la science, la recherche, tout ça, je vois, je comprends bien. Enfin, mais pourquoi vouloir altérer l'ordre de la vie, juste? J'ai déjà répondu à la question, et c'est pas forcément dans le but de ressusciter quelqu'un en particulier, c'est de pouvoir acquérir plus de connaissances pour tout le monde. Bah, il faut arrêter avec cette histoire. C'est super dangereux. Il y a un cycle. Le bien, le mal, la mort, la vie, si vous cassez tout, ça va être le bordel. Hein. Et faut pas avoir fait une super école de magie pour savoir ça. Hein. Les connaissances, on a... Vous qui êtes super intelligent, vous devriez le savoir. Bien évidemment que je le... Tout n'est pas encore dans les livres, Fizzle. Tu devrais être la première à le savoir avec ta spécialité. Je le sais bien, mais... Pas la peine d'aller chercher des morts du passé pour tout comprendre. Je peux faire un jet de culture G pour l'histoire du bibliothécaire. Oui. Moi aussi, je vais le faire. Oui. Juste le temps de que vous fassiez vos jets, il répondra. Donc, je suppose que ce n'est pas la peine que je vous propose de, en remerciement de m'avoir aidé à déverrouiller cette connaissance, de pouvoir essayer sur quelqu'un qui vous est cher pour le ramener. Et Silver, d'un coup, lui... Elle le regarde méchamment. Silver, il vacille. Lui, tu vois, il mériterait qu'on lui arrache sa corne, du coup. Non. Bon. Heureusement pour moi, je n'ai encore perdu personne qui m'est cher. À l'aide. C'est... Vous voyez, Silver, il balbutie un peu en mode... Les morts sont morts, et s'ils sont morts, c'est pour une raison. J'aimerais beaucoup pouvoir faire revenir mon fils aussi, mais c'est pas naturel. Et puis qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils reviendront bien, hein? C'est n'importe quoi. Commence à me courir sur le coco, celui-là. Tant pis. Vous me faites penser à cet individu là, enfin, cet être qui est du passé. Ah, c'est le bibliothécaire. Ne me comparez pas avec cet individu. C'est qui, Louis ? Toujours à la recherche de connaissances, peu importe le coup. Ah bah oui, c'est similaire là. Cette créature était démoniaque, ou même chaotique, dirais-je. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Bah, pourtant, vous allez foutre autant le bordel que lui, hein. Nous voulons exploiter les connaissances magiques pour que les futures générations puissent mieux l'exploiter. D'accord, je comprends, mais pas en touchant aux morts. Un peu de respect! Vous connaissez ce mot ou pas? Mes oreilles. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai envie de le buter. Je suis censée être pacifique, j'ai envie de le tuer. Oui. Je me doutais bien que vos esprits ne seraient pas ouverts à ce genre de choses. Si toutefois vous changez d'avis... Non, mais c'est pas une question d'esprit ouvert, c'est une question de logique. Et de respect. Apprenez le mot dans le dictionnaire. Je sais très bien que ce que je fais est contraire à l'éthique. Eh ben arrêtez! C'est contraire à la normalité. Mais ce cas, sans plus cette sale pute. Oui, totalement. Et Jade, elle peut la tuer au passage? Je compte sur toi, Jade. Oh putain, Jade, c'est vrai? Bah ouais. Non, mais Jade, elle s'en fout. Jade, elle fait « Oh, trop bien, génial l'idée !»
Et Garnet. Ah, il y a deux Garnet. Deux Garnet et deux Jade. Ouais. Ah oui. Elles étaient en bas en fait. Pardon. C'est vrai qu'elles étaient censées au sud, donc elles sont plus là, pardon. Et du coup, je me souviens plus que je voulais répondre avec lui. Parfois, pour faire avancer les choses, il faut falloir accepter de faire des sacrifices. Venez de me faire rendre compte d'une chose. Et tu restes là. Dans quoi? Bah, sinon, Silver va sortir son marteau. Silver, là, vous voyez clairement qu'il est complètement dans la panade, là. On s'en fout. Vous me faites rendre compte que la magie n'est pas forcément quelque chose que tout le monde doit pouvoir utiliser. Il commence à comprendre pourquoi les libérateurs rouges de Monku sont aussi pessimistes envers la magie quand on voit le genre d'individus comme vous. Vous êtes censé être un professeur, quelqu'un d'aguerri, de réfléchi, de sage, et vous allez jouer avec ça? Vous avez déconnecté les neurones ou quoi? Il continue d'avancer, juste. Ok, alors, la terreur. Je peux? Vas-y. Ah bah attends, en plus je me suis gouré de dés, c'est pas le bon. Alors, du coup. Il part ton sort. Avec une dissimulation. Ah, pas une dissimulation, une... Ah, dissipation. Il dissipe ton sort. Ok. Jouez pas ça avec moi, petite. Alors déjà, tout le monde dit pas petite. Et ensuite, arrête de m'ignorer et de te casser! Reine? Mais quel gros oui. Connard. Attends, faut juste que je check un truc. Un oiseau. Ouais, attends. La vitesse de vol, c'est de combien? Enfin... Ça dépend ouais. De... Ça dépend de la bestiole. Un oiseau. Enfin... Ouais, un oiseau rapide. Je sais pas. J'en sais rien. Je vais regarder les stats de l'aigle. Bon, bah je vais le foutre dans le noir. Je me retourne vers les autres. Pas la panique, mais genre une expression très pressée. Non, mais faut qu'on l'attache et qu'on le foute aux autorités, cet abruti. Hein. Du coup, je peux le mettre dans le noir ou tenter, du moins. Vas-y. Encore pas y arriver, mais c'est pas grave. Il est mort. Donc c'est bien, mais bon, après, il a son sort de lumière, donc il verra un petit peu moins autour de lui, mais il continuera d'avancer, il s'en fout. Faut que je regarde un truc. Moi, je le rentre dedans, voilà. Vu que les autres, ils font rien. Transformation, c'est dur. Tu rentres dedans, tu le pousses? Ouais. Alors, la poussée. Vous êtes un criminel et on va vous remettre aux autorités. Soit vous le faites avec consentement, soit ça sera par la force. Deux secondes, déjà t'es en train de le pousser, faut juste que je retrouve les... Alors, ça sera contre de la force, force contre force. Faut qu'on décate, ça va pas chier loin. Oh, oh putain. Là, elle est énervée, la scoula. Ah ouais. Tiens. Scoula, bon, là, il a fait un bon jet, mais pas suffisamment. Tu le bouscules, effectivement. Et du coup, je lui dis mon truc, là. C'est intimidation. Tu veux bien répéter? Je lui ai dit... qu'est-ce que j'ai dit? Vos projets sont criminels. Alors on va vous redonner aux autorités, soit avec votre consentement, soit par la force. C'est intimidation ou persuasion ou... Je dirais l'intimidation. Très bien. Mais
je relance avec mon point de conviction, ça fait quoi? Ça fait que tu rajoutes un D6 au modificateur. Je mets quoi? C'est un D6. Ouais. Oui, attends, oui. Je crois que ça bug si on met un D6. Non, juste tu lances un D6 supplémentaire. Et tu l'ajoutes au résultat. Ah non, mais tu peux rajouter dans le modificateur un D6 normalement. Je teste un modif, on verra ce que ça donne. Ah, c'est pas si mal. Hop. Connard. Ton 6, il a fait un 6. Ah oui, il a fait un 6, faudrait que tu le relances effectivement parce qu'il fallait mettre le point d'exclamation. Je relance un D6. Ouais. Ouais. Avec le point d'exclamation juste au cas où. Donc 15. C'est ça? Ouais. C'est pas mal. Et les 4 fions, vous faites rien? Non. Je pense. Je suis sur le cul, en fait. Non, mais Silver, là, depuis que l'autre, il a parlé de pouvoir ramener des morts, il est en PLS. Hein. J'aurais pensé que c'était une bonne idée de vous faire... découvrir ma magie, mais en fait, je me rends compte que c'était peut-être une mauvaise idée. En tout cas, ce coup-là, tu le fais grincer des dents et il est clairement sur ses gardes pour le coup. Je m'en fous. Mais cette fois-ci, il vous regarde, il vous ignore plus, il vous regarde tout en reculant doucement, mais en gardant plus des distances de sécurité plutôt que d'essayer vraiment de partir. Alors, la force ou vous venez gentiment? Point de mort. Vous allez abandonner ce projet de suite. Nous nous reverrons. Oh, c'est une blague. ASTP. Merci d'avoir servi. Hein. Merci. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas de magie, nous. T'as une arbalète, l'autre, il a ses points, au bout d'un moment. Mais je peux pas le tuer. Moi, je suis juste dans le cul de trouver... Moi, je sais pas quoi faire avec le mec. Qu'est-ce que faire? Qu'est-ce que si? Vous parlez, je vais pas tirer. Vous risquez de vous tirer dessus. Du coup, elle vient, elle est énervée. Merci pour votre aide. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute? Merde, t'imagines? Bah, j'ai imaginé, il y avait rien. On a laissé partir un taré. Je vais rejoindre à Stalingrad. Et cast sort de transformation. Quoi? Tu vas où, toi? Je vais aller prévenir... Attends, comment elle s'appelle? Je vais aller prévenir Scarlet Dusk. On va peut-être prévenir la princesse aussi, hein. J'y penserai. Tu veux qu'elle vienne? Je relance. Je relance avec conviction. Non, ce sera plus vite si j'y vais toute seule. En relançant, fallait quand même que je craque un béni ou pas? Avec ma conviction tout à l'heure. Oui. Ok, donc je le mets là, hop. Tac, donc. Science étrange. Un D6. Que ça. Bon, ça marche. Je me transforme en oiseau et je m'envole et je me casse. Aussi, okay. C'est possible, vu qu'on est en fin de session, que je claque le truc juste avant de lancer le sort. Le truc pour la carte de Gal pour choper n'importe quel atout. Oui. Et que je me prenne l'atout de concentration pour doubler la durée d'un sort. Comme ça, je vole plus longtemps. Ok. Je te le sors. Donc au lieu de voler une dizaine de minutes, tu en voleras 20. Mmh. Et non, soit techniquement, ça suffira pour voler jusqu'à Canterlot, mais après le retour, tu le feras à pince. Ah oui, je le ferai à pied, hein, forcément, mais première chose que je veux faire, c'est aller prévenir Scarlet Dusk. Ça, on va l'attendre de toute façon. Bah... Prévenir les gardes aussi. Ce qu'elle a dit. De toute façon, on soit en prévenant la princesse. Bref. Ça. Je vais te prendre en privé, Lucky, du coup, vite fait. Mm-hmm. Les autres... Faire la fin de session avec les autres...
En soi, ça va être assez rapide. Je vais te faire faire la scène là et tu pourras rejoindre en cours de route les autres en revolant derrière et on s'arrêtera au moment où vous rejoindrez. Ok. Donc, en privé. J'entends presque Rennes. Mais Loupi, c'est pas grave, enfin, on n'écoute pas. Et désolé, c'est aussi parce que j'étais en train de tomber un peu fatigué et je savais pas quoi faire. J'étais énervé sur le PNJ et je me suis dit, mais je vais pas tirer dessus non plus, je vais pas essayer de le tuer, quoi. Moi, je pensais qu'on allait finir déjà. Il dit, oui, on fait juste le trajet et c'est fini. Je pensais pas qu'elle allait avoir un truc si important en cours de route. Le saucissonner avec quoi? J'ai rien. Et puis, pour le truc, en fait, c'est Silver, il a entendu... ramener à la vie n'importe qui et lui il est dans le mal parce qu'il est en dilemme. D'un côté, surtout que t'étais déjà en train de lui parler, donc j'avais rien d'autre à ajouter qu'elle avait déjà dit en fait. Le soutien, ça existe, oui. Mais... Et pardon. Non, mais moi en fait, j'imagine très bien en fait. Silver, j'imagine très bien Silver en fait, et du coup au départ je me suis dit ouais je vais aller aider ce coup là, et puis d'un autre côté je me dis non mais Silver il serait complètement dans le mal là. Du coup j'ai rien fait. Ah, tu paries que c'est parce que Rennes il veut ramener Garnett. Ce serait le plus gros. Je veux ramener un PNJ et. Ah bah écoute, ce serait pas étonnant. Je pense qu'il a fait ça aussi, c'est pour donner envie à faire revenir Karing ou. Oui, je pense, oui. Assez. Non mais. C'était une blague, Loupi. Ou la mère de Silver, oui. Bah oui, c'est ça. Si le Silver, c'est la tête. Stormice. Et ben alors, vous êtes qui, vous, là? Bon, allez, on y va, hein. On va aller péter des culs. Et où, Zima? Non mais après, si le machin ça marche vraiment et que c'est pas juste un truc qui dit comme ça, ça va tenter beaucoup de monde. Ça va tenter du monde, ouais. Ah non, mais par contre, oui, c'est un connard, oui, on est d'accord. C'est sur le principe, tu vois, enfin, mais chaque personne, je peux imaginer que chaque personne aurait envie de ressusciter une personne dans sa vie, quoi. C'est pour ça que c'est... Après, c'est complètement amoral. Et tu parles d'un poney qui a D4 en intelligence.
Silver, il est pas malin. Le but, il frappe fort, c'est tout. Il est gentil, mais pas bien malin encore. Hein. Bah oui, à court terme, ça va, c'est intéressant entre guillemets pour tous les gens qui ont envie de revoir des êtres perdus, mais oui, après, à long terme. Oui, tu réfléchis un peu. C'est, sur le moment, c'est vachement tentant et tout ça, mais sinon. Ah bah, c'est... Oui, mais je pense que c'est fait exprès, hein. Et le gars, il va créer la surpopulation et après, il va faire une Thanos. Alors, je dirais pas qu'il est... Voilà, bon, j'allais dire, c'est pas un abruti, il est juste complètement... Il est juste... sur son propre truc. C'est ça, il est bloqué sur son propre truc et il a rien. Ou alors il a perdu genre sa femme ou sa sœur ou autre et il veut absolument la ramener et il se dit excuse-moi enfin, pensez aux autres. Oui, non mais alors attention, il est... Dans le truc c'est... Comment on pourrait dire ? Il est intelligent dans le fait qu'il arrive à faire des trucs de taré avec sa magie, mais il est complètement con dans l'utilisation qu'il en fait. Moi, c'est la façon dont je le vois, Loupi. Ah oui, on peut être intelligent et être con. Oui, enfin, il est cultivé. Voilà, c'est ça, ça y est. Il est cultivé, dans le sens où il a des connaissances, il sait comment les utiliser, tout ça. Mais il est complètement con, parce qu'il l'utilise pour les... Sur les mauvais trucs. Genre, il pourrait s'en servir pour, je sais pas, améliorer les récoltes. Exemple. Aider à découvrir les libérateurs rouges. Hein ? Mais non, il décide de oh bah je vais ressusciter des morts, tiens. C'est le truc que tout le monde a envie de faire, mais quand tu réfléchis, ne marcherait pas. Bah le truc en fait c'est. Quand l'idée te pop dans la tête, c'est tentant, et quand tu réfléchis un peu, tu vois, tu te dis. Voilà. On est d'accord, Loupi, on est d'accord. Ouais. Bah, justement. Après, le truc, c'est que Bah, je pense que c'est ça, en fait. Il veut pas réfléchir du tout sur le long bain. Parce qu'un terme comme ça, écrit, c'est un bain. C'est une piscine, un terme. Non, il va nous faire faire un truc du genre, il va falloir qu'on fasse une alliance temporaire avec les rouges pour pouvoir retenir celui-là qui est trop fort et puissant, qui veut faire un machin absolu avec la magie. Connard. Oui, on est d'accord, Loupi. Connard. Non, non, mais... S'il avait pas... Là, s'il qui, avait perd pas... Son qui perd son truc de pacifiste. Ah bah... Silver, une fois que ces deux neurones se seront connectés, aussi. Mais bon, il faut que les trois neurones y se connectent. Parce qu'il est pas bien malin, quand même. Ah mais oui, par contre, ce type, il va pas falloir le laisser libre longtemps, parce que il va faire des conneries. À tous les coups, le mec, il va essayer de ressusciter des gens, ça va créer des nouveaux types d'ombre. Oui, voilà, enfin, ça va créer plus de problèmes. Oui, en mode full metal. J'ai pas vu full metal. Oui, non, mais c'est... En gros, ils essayent de ressusciter des gens et... Ah oui, non, mais le choc de
du retour à la vie pour les pauvres, genre c'est... Surtout, imagine quelqu'un qui s'est remis en ménage et puis t'as son ex qui revient à la vie, mais lui il voit que t'es remis en ménage, par exemple. Ah oui, 20 ans. Ce genre de détail. Genre par exemple, si le mec, si Silver, sa mère revenait à la vie, genre ça fait 10 ans qu'elle est morte. Ça fait 10 ans qu'elle est morte, elle va arriver, elle va voir Silver, elle va pas le reconnaître. À part reconnaître son ex-mari non plus, vu que ça fait plus de 10 ans. Genre, on est d'accord que c'est... Enfin, c'est... Traumatisant. Ah oui, mais traumatisant pour tous les gens autour, hein, ben, c'est pareil. Genre, imagine le mort, t'arrives à ressusciter le corps, mais il n'y a personne dedans. Non, mais après, je peux te comprendre, le pire. Hein. Je peux te comprendre. C'est typiquement le type de gens qui font des trucs irréfléchis. Ils réfléchissent pas et ça fait la merde. Ouf, par contre, ça fait 3 heures qu'on est dessus. Ouf. Ah, on est d'accord, Loupi. Complètement d'accord. Connard! On est d'accord. Je vois pas pourquoi. Salope! Franchement. Salope! Pourquoi tu t'en reportes? C'est une salope! C'est une salope! C'est enfin, tellement Lupi, un connard que je le mise sur. Je vois pas du tout pourquoi tu t'énerves comme ça. Je vois pas. Ses pensées sont très raisonnables, tout à fait logiques. C'est normal de faire n'importe quoi. Attends, on fait un concours. C'est qui a le plus de raison ou qui a un meilleur raisonnement entre lui et les autres? Aucun des... Quels autres? Les libérateurs. Bah franchement... Ça, ils ont un nom tellement pompeux. Les libérateurs, tu sais... Je suis désolée, hein, mais quand je vois le genre de connard que c'est le mec là... Oui, tu comprends les libérateurs. Tu vois. C'est pour les faire en sorte qu'ils aient un truc moins violent, tu sais. Oui, on regarde un peu voir, et puis après on se rend compte, genre, c'est vraiment dangereux la magie. Bon, ok, mais trouvons un moyen avec des études et des machins. Messieurs, dames. Oui. Durant l'absence de Fizzle, vous, qu'est-ce que vous faites à part rager dans votre coin? Voilà. Donc je les snob et j'avance. Bah, on va peut-être monter le camp, non? Ah, pas pour tout de suite. Ouais, non, mais elle vous a dit de continuer et qu'elle vous rattrapera. Ouais, ouais. Ouais. Bah, Silver, il... Rien à foutre, là. Silver, il dit rien. Bah, je la laisse faire son caca-boudin et je continue. Bah, il fait pas du caca-boudin. Mais non, à ce coup-là. Ah, bon. Et du coup, on avance. Jusqu'à ce qu'on trouve un coin pour s'arrêter pour le soir, quoi. Bah, un moment... Attends, j'ai un MP. Non. Connard! Et vous? À qui? Bah, à l'autre con, là. Ah, d'accord. Ah, j'ai cru que t'insultais les deux autres en mode « Vous êtes pas venu m'aider, connard !» Non, mais vous m'avez pas aidé, les deux autres non plus, donc j'ai juste pas envie de vous parler, en fait. Parce que Jade et Garnett, elles ont rien fait non plus. Hein. Ouais, mais bon, d'un autre côté, elles savaient pas trop... Bah, on s'en fout, elles peuvent même avoir un avis, hein. Elles étaient un peu alléchées à l'idée d'avoir la possibilité de ressusciter des potes, mais elles étaient aussi dans l'optique de ouais, mais c'est chaud quand même. Donc elles étaient plus sur un avis neutre que. Elles ont rien fait, voilà. Donc j'ai pas de raison. Moi, ça, j'étais d'accord avec ce coup-là, mais je l'ai pas dit parce qu'elle parlait.
caca boudin. Donc, me jeu. Bah attends deux secondes parce que j'ai des MP de... Ah bah attends, je vais aller le voir direct, ça ira plus vite. Ouais, ouais, vas-y. Ça va être tendu. Octane the feeling. Ta, 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 ta. Ça va être tellement tendu le soir. Le soir, ça va être extrêmement tendu. T'as un main saoulé. Tu m'écris la lettre et... Bon, messieurs, dames. Vous allez du coup continuer votre chemin jusqu'à Staliengrad. Fizzle ne sera pas encore venu, mais comme elle vous a dit, elle vous rejoindra. Mais on va pas mettre plusieurs jours sans l'attendre. Bah en soi c'est 2 jours grand max, donc elle est pas très loin. Mais ça va, c'est où c'est. Bien oui, c'est où c'est. Bon, elle est toute seule quand même. Avec les double horn et tout. Donc, avoir deux belles journées qui vont passer. Et je vais mettre fin à la session ici. Dans le sel le plus total. Dans alors, le sel le plus total, parce qu'il y a un joueur qui a décidé de split the group. Alors, juste un truc. Quand même, le soir où on a rencontré le type Silver, il va être tout penaud, il va s'excuser de pas avoir aidé, de pas avoir aidé ce coup-là. J'espérais que Fizzle reviendrait le soir même, mais apparemment non. Il va s'excuser en disant que c'était extrêmement tentant la proposition et qu'il n'arrivait pas à penser. Et tu seras snobé. Yes. Super. Silver est encore plus dans le mal. Ouais, le me jeu aussi. Ah ah, pourquoi? Bah comme je l'ai dit, Lucky a décidé de split the group. Quoi? Il ne veut pas revenir. Je vais mettre fin à la session ici. Lucky, je mets fin à la session ici pour le moment. Tu auras une petite partie solo du coup. Une petite, ouais. Peut-être grande, parce que tu as décidé de split ce groupe. Mais t'es sérieux là? Malheureusement. Non mais t'es censé nous rejoindre et qu'on t'aide. Casse les couilles en fait. Bon, bah sur ce, je vais me barrer avant de trop saler et de vous saouler. Allez, salut. Salut. Et moi, je...